monde, bon dimanche et aujourd'hui on est parti sur un petit live de Castle Story. Alors aujourd'hui j'ai comme plan de faire le meilleur château possible, en tout cas le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais utiliser toutes mes compétences de maçon et de constructeur que j'ai accumulées au fil de mes parties pour essayer de faire quelque chose de joli. Là je me mets peut-être un peu la pression parce que je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Donc l'objectif est donné. Alors, je vois bien que vous êtes actifs sur le chat, coucou tout le monde, tous ceux qui me rejoignent. Du coup, alors on va démarrer un petit peu différemment quand même. J'ai pas trouvé de map qui me satisfaisait. La plupart des maps ont déjà été bien couverts en live ou en let's play par des vidéos passées. Donc là, je vais pas faire une nouvelle map parce que ça va être long. Je vais plutôt modifier une map existante avec l'éditeur de niveau. Et on va voir si j'arrive à voir quelque chose. Et puis on est parti dans dans un vrai match. Donc coucou tout le monde. Ouh, je vois que vous arrivez en chaîne. D'accord. Alors. Tu pourras faire de la conquête. Non, j'aime pas du tout la conquête parce que ça... C'est vraiment pas dans l'esprit du jeu. La conquête, c'est vraiment progresser pour grappiller du terrain. Et moi, ce que je veux... C'est construire des bâtiments, ce qui est vraiment l'esprit du jeu. Donc la conquête, c'est plutôt un mode secondaire que le mode qui m'intéresse, moi. Très bien. Bon, alors, donc, on y va. On va commencer par l'éditeur de monde. Je ne l'ai jamais fait avec vous. Donc on est parti. J'aimerais aller à nouveau sur le passage du pionnier parce que j'aime vraiment cette map. Je trouve la couleur du désert est juste magnifique. Donc on va la modifier. On va en faire une map séparée et on va l'utiliser pour la partie. C'est la semaine des lives, même c'est les semaines des lives, vu qu'il me semble avoir fait deux lives la semaine dernière et deux là. D'ailleurs, un petit rappel, la semaine dernière, on a été sur la chaîne le premier live français gaming, et deuxième mondial, donc c'était pas mal. Hein. Bon, alors, donc là, on est sur l'éditeur de stage. Donc je vais modifier un petit peu les choses. Là, vous pouvez voir, les maps sont prêtes pour tous les modes. Donc les shards, c'est pour les modes conquête, ça m'intéresse pas. Ce que je veux faire, c'est me faire un château. Donc je veux une map d'où je peux être attaqué de tous les côtés. Donc, on va nettoyer un petit peu ici. Et on va retirer la montagne. Et on va peut-être agrandir le coin. Et on va se faire un endroit où je peux faire mon château. Donc c'est parti. Donc on va étaler là. Voilà. Tire un peu d'arbre là. On va le mettre là. Donc, alors il me faut plus de bois, un petit peu de ressources pour le départ. Ah non, peut-être pas là. Je vais te mettre là. Que j'ai retiré des arbres, donc faut compenser un petit peu. On va se mettre... Alors, vu que normalement, on démarre ici, vous voyez. Donc, au début, on a des cristaux, du souffle, plutôt, à pas mal d'endroits. Donc, on va essayer de mettre le même nombre là. Alors. Donc, il y en avait trois à proximité et un petit peu plus loin. Donc, on va te mettre là. S'il y a besoin d'en chercher, je vais peut-être... Voilà. Et on veut la même chose en fer. Alors, j'ai combien de filons de fer au début? 1, 2... 3, donc on va en faire 2, mais 2 plus gros. Je vais te mettre là. Oh, on peut agrandir comme ça? D'accord, donc du coup, je vais retirer un petit peu. Ah, c'est plus joli là, ouais, effectivement. D'accord, bon bah voilà, ça c'est fait. Donc là j'ai mes choses, alors j'ai besoin d'herbes. On va mettre des herbes. Un peu d'herbe. Là, les différents types ne seront pas importants, il me semble. Hein. Donc là, on a de l'herbe. Ça va être important pour les arcs. Ouh, on peut les faire. On peut les faire plus efficaces. Oh, ça, c'est génial. Bon. Je suis assez content, je pense, de ma zone de départ. Oui, on va... Ah, je voulais retirer. Ah, je vais diminuer la taille, là. Voilà, et alors, je vais passer à toi. On va créer le dessous de l'île. Voilà, le dessous est créé. Et donc, je vais déplacer les arbres là. Parfait, je crois que je suis bon. Voilà. Et alors, je vais juste agrandir un petit peu l'île pour vous montrer comment ça fonctionne sans bidouiller là-bas. Donc, vous pouvez tout simplement... D'accord. Faut baisser, je me rappelle avec toi, c'est ça? Ah, je me rappelle plus comment on baisse le plan.
Ah, je l'avais fait en plus avant. Ah, voilà. Ah, au même niveau. Parfait. On va faire une île là. Ça, c'est juste pour vous montrer une île complète qui va être faite. Parce que je sais qu'on n'aborde pas souvent le mode de création du jeu. On va te mettre là. On va faire le dessous. Ça qui ça fait. Voilà. On va mettre un peu de relief. Un petit plateau là. Et voilà, et on met des arbres. Voilà. Bon, alors, j'ai pas fini, parce que là, du coup, mon point de départ est ici. Alors, on retire. Donc, c'est là que je démarre. Donc, je vais prendre mon cristal. Et on va le ramener au milieu, ici. Donc, c'est là que je vais faire mon château. J'ai un point d'apparition des corruptrons qui est là. Donc, on va te changer et on va te mettre à la place. Il va démarrer là où on était avant. Donc, j'ai des ennemis qui vont apparaître de là. Qui vont apparaître de là. De là-haut. Donc, eux vont monter. Et ils vont descendre par là. Mais je pense que la forêt va les bloquer. Donc, ils vont passer par là. Il y en a d'autres qui vont apparaître là. Et encore plus, il y en a de partout. Il y en a un autre là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, les shards, ça, ce sont les points de départ des... non, c'est les points d'apparition des cristaux en mode conquête. Donc, ça me concerne pas. Donc, les bouge pas. Voilà. Donc, coucou tout le monde. Je vais jouer à cette map. Ouais, vu que je suis en train de la modifier. Donc, maintenant, on va l'enregistrer. Sauvegarder. Donc, on va l'appeler passage 2. Version, voilà. Version renard. Et on sauvegarde. Alors, j'espère que c'est bon. Carte sauvegardée, j'espère que c'est bien enregistré. Parce que là, je suis vert si ils n'ont pas enregistré mes modifs. Donc, on va quitter la partie. Et maintenant, on va la lancer en vrai. Jouer. Invasion. Générée par l'utilisateur. Passage du pionnier vers son renard. Et en avant. Alors, aujourd'hui, le développeur m'a donné 3 clés de jeu à vous distribuer. Donc, on va lancer des loteries. Je vais cliquer là. Je vais finir. Donc, on va vous lancer des loteries pour que vous puissiez gagner une de ces 3 clés pendant le live. Donc, on va en faire peut-être toutes les demi-heures, hein, pendant la première heure et demie. Et comme ça, bah, vous avez peut-être une chance de gagner le jeu. Et d'ailleurs, au passage, petite surprise, je peux pas vous dire exactement ce qui va se passer parce que les développeurs sont sous contrat. Mais il y a un petit truc qu'il va avoir sur Steam ce soir à 19h si le jeu vous intéresse et que vous l'avez pas pris. Je vous invite à aller sur Steam et à regarder le prix du jeu. Voilà, simplement, je vais pas en dire plus, j'ai pas le droit. Bon, alors go, jouez! Et comme d'hab, pour ça, laissez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et oui, également, regardez dans la description, il y a un lien vers le Utip qui a été créé il n'y a pas longtemps. Si jamais vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à faire du tip. Vous avez juste à regarder, si vous voulez, une petite pub sur le site. Et vous êtes tellement à le faire qu'au final, ça s'ajoute et ça aide vraiment beaucoup. Comment on obtient une des clés? Il va falloir attendre que la loterie se lance. Au passage, inscrivez-vous. Non, pour les loteries, je sais pas s'il y a besoin, mais je vous inscris. Non, il n'y aura peut-être pas besoin pour les loteries de live. Quoique. Ouais, Maïmé ou Xav ou Bastou ou n'importe qui, donnez le lien du groupe Steam parce qu'il faudra que les gens s'inscrivent sur le groupe Steam pour pouvoir participer aux loteries. Je viens d'y penser parce que là, on va lancer les loteries standard et pas celles de live. Alors. Donc on démarre bien là, vous voyez, on vient de modifier la zone. Je l'ai faite un peu plus ouverte parce que je veux pas juste faire une petite muraille. Je veux vraiment faire mon château. Hein. Donc déjà, première chose, on a besoin de bois et on va nettoyer là. D'accord, alors. Donc, venez couper les arbres là. Ici, on va mettre les premières industries. Je vais mettre 2 coupeurs de bois. Alors, le Baratheus, là, il y a tellement de gens qui participent aux loteries en live qu'effectivement, les chances sont un petit peu basses au bout d'un moment, mais bon. On est déjà à 200 pouces bleus, bah dis donc. Alors. Du coup, alors, faites-moi des planches et vous allez me stocker les planches juste à côté. On commence comme d'hab par
Ah, stockage. Alors, je vais faire... On va te mettre plutôt là. Très bien. Ensuite, je vais avoir besoin de roche. Il y a de la roche là. Donc, je mettrai peut-être... Ah bah le jus qui commence déjà à freeze, bah ça me rassure ça. Alors. Donc tu vas me faire, on va bien mettre ça en planche. Alors vous allez où? Ça va être de la roche. Ça va être des planches. Elles sont où mes planches? Elles sont là. Ça va être réservé aux planches. Il faut vraiment au début bien voilà, hein, choisir bien les ce que l'on met où. Parce que sinon, vous voyez, ça va être le bordel. C'est de la roche. Très bien. Donc, il démarre. Et alors, je vais donner l'ordre maintenant d'aller miner deux... Bah, la roche. Pierre. Allez-y. Ouh, on est pratiquement 1000 déjà, d'accord. Donc, alors ouais, l'objectif aujourd'hui est de faire un vrai château. Donc, je vais utiliser tous les outils, tous les blocs, tout ce que je peux, et d'essayer de le rendre aussi impénétrable que possible. Je vais pas faire de douve, mais on va peut-être mettre des pièges. On va voir, hein, il y a plein de bonnes choses. Ouais, il y aura une rediffusion, il y en a tout le temps. Alors, donc là, il me ramène la roche. Je vais avoir besoin d'un petit peu de stockage pour... Alors. Pour le fer. On va te mettre là. Là, ça va être le fer et le soufre. Donc, vu que le château va être carré, comme ça, on va commencer par mettre le stockage à l'intérieur. Hein. Je pense que ça serait une meilleure idée. Du coup, ben là, on va faire de la récolte. J'ai mis les deux à côté, c'est pas mal. Et il me reste 11 minutes avant la première vague. Donc, je sais pas si... Je pense pas avoir les armes de prêt. Donc, la première vague va être combattue avec les gars à main nue. Ça va être un combat de boxe. Et après, on va commencer à faire peut-être des gars spécialisés dans les différentes choses. Hop. Enlève les plantes. Alors, je vais enlever. Alors, il faut pas les enlever. Il faut les récolter parce qu'elles sont importantes. Mais je vais en avoir besoin un petit peu après. Alors. Ah ! Soufre. C'est vrai, j'ai oublié ça. Bien les réserver, là, le fer. Voilà. Non, me ramène pas ça. Du coup... Ils vont aller miner la roche. Et ils la ramènent là. J'espère avoir... Alors, on est à 40 sur 100 pour le premier briqueton. Et là, on va être plein côté ici. Bon, alors, je vais peut-être commencer... Ouais, je vais peut-être être plus rapide que ce que je pensais. Et déjà... Et peut-être déjà commencer à faire des ateliers. Il me faudrait par contre du fer. Voilà. Ah, ça y est. Ça démarre. Alors là, par contre, ouais, j'ai fait vraiment des petits filons. J'aurais dû les faire plus grands. Je sais pas ce qu'on avait là-bas. Est-ce que c'était des gros? Genre celui du départ? Ouais, c'était des gros. Hein. Donc finalement, j'en ai mis un petit peu plus là-bas. Mais la majorité sont des petits. Hein, en dehors de celui-là. Donc ça va partir assez vite. Allez, mettez-moi ça là. Et alors, là, je vais mettre les feuilles. Donc stockage de feuilles. On va en avoir besoin. Donc je vais mettre feuilles, tissus, cordes et tout ça. Non, il n'y aura jamais de facecam sur mes lives, pas la peine de demander. Ça arrivera jamais. Je déteste déjà la chose. Et je tiens à mon côté privé. Alors, hop, feuilles.
Ensuite, je veux corde. Puis je veux ça. Et sur celui-là. Ah, il est en train de mettre autre chose. Bon, on va laisser le bois, pourquoi pas. D'accord. Il va falloir faire gaffe. Alors, je vais commencer à faire les ateliers. Peut-être les mettre dedans et après, on va les déplacer. Donc, en atelier, on a besoin. On a besoin d'un un pour faire fondre. D'accord. On va te mettre. On va te mettre là. Je le mets là parce qu'il va ramasser le fer ici et le soufre là. Ensuite, on a besoin d'un atelier pour faire du tissu. Lui va être posé là. Et j'aimerais... un établi peut-être ? Ou une forge ? Voilà. Bon, la base commence déjà. Il nous reste 8 minutes avant l'arrivée de la première attaque. J'ai pas de défense, mais bon, on est normal là. Alors oui, je veux ramasser, du coup, les feuilles. Je vais ramasser les feuilles, là. Allez. En avant. Donc, ils ont fait ça, là. On va commander 3 de blocs de verre et après du fer. Et je vais avoir besoin de stocker cela. Où allons-nous stocker le fer? Le fer, le verre. Boum! Allez! Allez, pose-le, t'attends quoi là? Je sais pas ce qu'il fait lui. Hervé, il nous faut du métal, il nous faut pas une brique. Hervé, reprends ton bloc. Reprends ton bloc et viens le ramener là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait, Hervé? Alors, toi. Ça va être... ici. Et j'aimerais qu'il me fasse le dernier stockage pour le verre. Ici. Ça va être le verre. Parfait. Ouh, la patate masquée. Eh ben merci à toi, t'es le premier à faire le type. Merci, alors je vais juste hop, pousser une fenêtre. Pour mieux voir les choses, voilà. Est-ce que le jeu est sur PlayStation 4? Non, il n'est pas sur PlayStation 4, c'est un jeu ordi. Bon, alors vous venez me ramener, alors toi, prends. Voilà. Pas l'amener là. C'est étrange, ça démarre pas, ça fond pas. Je comprends pas. Alors pose ça là. Il ne fonctionne pas. Pourquoi tu ne fonctionnes pas? Des gas mods? C'est quoi les gas mods? C'est quoi les gas mods? Les gas mods, c'est une nouvelle ressource qui a été patchée. Je regarde dans les stockages, c'est quoi les gas mods? Pierre. Oula, tu m'inquiètes là. Bon, fais-moi déjà beaucoup de briques. Mais c'est des pierres hein, les gasmotes, on est des garnottes. Non, c'est des garnottes. C'est quoi cette histoire encore? Ah, ça y est, je peux avoir Mope, qui est le premier arrivé à rejoindre. Donc on va avoir besoin de main d'œuvre. Donc rejoins-nous, ici on est bon. Alors oui, tu as fait ça, donc là je veux quelqu'un qui me fasse 4 de tissu, 4 de cordes. Ici ils vont me poser, oula, ils vont me poser là le métal. La brique, les blocs, mais non, regarde, t'as vu, ça a démarré sans la brique. Alors, on va reprendre la brique. On va prendre la brique. Ah ouais, mais t'as pris autre chose sur le chemin, bien sûr. Amène ça là-bas. Je l'ai fait peut-être un peu trop proche, faudra que je le démonte. Je pense que je l'ai fait un peu trop proche. Pose là. Hmm.
J'ai l'impression que ça réagit un peu bizarrement. Alors... Est-ce que t'as fini? Il me manque encore un lingot. Donc continue. Et on va pouvoir faire nos défenses bientôt. Je pense que je vais augmenter le nombre de réserves de stockage de roches. Parce que je vais en avoir besoin de beaucoup d'un coup. Plus j'en ai en stock, plus ça va être rapide. Ah, il faut de la pierre récoltée, mais pas transformée en bloc, c'est vrai, Rectar, merci. Oh là, vous voyez, d'accord, oui, effectivement. Alors, bah tiens, toi, tu vas être... De la pierre, et je vais dire... Non. Je vais dire de ne pas transformer, voilà. Pierre. Pierre. Donc je vais avoir une réserve pour le verre de Garnot. est-ce que je préfère du Banish? Oula, du Banish, j'en ai pas fait depuis longtemps. J'en ai vraiment pas fait depuis longtemps. C'est un jeu que j'adore, mais je compte pas en faire prochainement. Alors je vais faire un kit de là. Et on va avoir besoin maintenant de verre derrière. Et alors je vais avoir besoin de... Plus pour les armes. Pour stocker les armes. Je vais te mettre où? Pour le moment, on va te mettre là. Je vais les déplacer après, hein, en fonction comment les choses vont tourner. Je vais déplacer tout ça. Il nous reste 2 minutes 30 avant la prochaine arrivée. Tu peux définir plusieurs en même temps? Ah oui, alors j'avais essayé dans mon live précédent et je n'y ai pas arrivé. Merci de l'info, effectivement. Mais enfin, ça va me... Alors là, c'est un peu tard, mais pour le futur, ça va vraiment m'aider. Merci à toi. Je suis persuadé d'avoir essayé de le faire. Ah, alors là, nous avons ça. Alors, du coup, il me faut quelqu'un qui va me faire... On va faire... Toi. On va te mettre là. Donc toi, tu nous fais le casque. Et ouh, on va peut-être avoir le premier gars avant le combat, avant que l'arrivée des les gars. C'est la première fois depuis les matchs que... Alors par contre, il nous manque du métal, sûrement. Alors je vais juste... Voilà, on a assez de métal. Il me reste un caillou là, on est bien dans la zone. Ouais, on est dans la zone. Pratiquement plus de métal là. C'est quoi le jeu que je préfère? Bah probablement Banished, je pense. J'aime beaucoup Castle Story quand même, malgré les problèmes d'optimisation. J'aime vraiment le jeu, c'est pour ça que je reviens dessus. Mais je pense vraiment mon grand préféré est Banished. Alors, prochain Bricktron. Dans 100 d'énergie. Je me demande combien me donne 100 d'âmes. Oui, ou énergie, ils appellent ça énergie. Je me demande combien d'âmes me donne un ennemi tué. Alors, est-ce que tu m'as mis... Ouais. Alors, je veux... Bah tiens, toi. Viens t'armer. Donc là, la bonne chose, c'est que vu que je vais faire un château autour, peu importe, je pourrais défendre peu importe la direction que les ennemis arrivent. Avant, je devais décider où envoyer mes soldats. Là, je les laisse un peu dans le château. Je les ferai sortir quand on est bon. Par contre, il faut que j'arrête de m'étendre là. Un château, je fais ça. Ça va être... Il faudra virer les arbres là. Donc du coup... Coupe d'arbres. On va te bouger là. Alors, ils arrivent, mais je ne sais pas d'où. 2 secondes. Vas-y, allez-y, retirez les arbres. Oui, Pierre Marie, c'est conseillé effectivement de mettre les tanks devant et les gars avec les arbalètes derrière. Mais pour le moment, j'en ai pas encore de ceux-là. Ouh, merci à Tootitfire. Tu es le meilleur contre qui comme ça, mais vraiment merci à toi. T'es génial. Alors, toi. Ça, on peut le retirer. Toi, tu vas venir. Comment on coupe la souche déjà? Ah, comme ça, voilà. Passe en mode construction. Tac. Petit freeze. Alors, il arrive l'ennemi là ou quoi? C'est quand tu veux, hein, mon gars. Ah, il arrive, il doit être là. Il doit être là. Ah, il est où mon soldat? Il est là.
Ils sont deux, je pense pas que j'ai besoin d'envoyer des renforts. La petite vague au début elle est vraiment pourrie hein. Oh là là, je vais devoir envoyer des gars sinon mon gars va perdre des points de vie. Alors, toi. Venez aider. Ouais, là il commence à perdre des points de vie déjà. Alors on en a éliminé un. On est à 80 et... Ah c'est 20. C'est 20 par âme je crois. Et lui il combat pas là. Comment pas. Coincé. Voilà. Donc tu reposes ton arme. Et tu retournes. On est à 140. C'est peut-être 40 par âme en fait. Encore 20 et je vais pouvoir avoir un autre bonhomme. Bon je vais devoir... Je vais devoir nettoyer un petit peu là. Comment m'y prendre? Peut-être mettre... On va mettre du stockage à l'extérieur, tout simplement. Tac, tac. À l'extérieur, on va le mettre là. Venez là, comme ça. C'est dehors, ça va faire de la place à l'intérieur. Et je pense que là, alors, on a un. Il me faudrait maintenant, alors, les gars qui font des arbalètes, du coup, ici. Tu vas me faire deux rouages, on en a besoin de deux pour les arbalètes. Et toi, tu vas te lancer sur un kit d'arbalète trié. Alors, les gars qui cassent les cailloux, il n'y en a plus là. Ah, je vais avoir besoin de plus de cailloux, on va les envoyer là. Comment tu choisis les jeux que tu vas tester? Alors, comment je les trouve ou comment vraiment je décide lequel je présente? Si c'est comment je les trouve, j'ai fait une vidéo sur ça, je t'invite à la regarder. Si c'est la décision, bah j'y joue et si ça me plaît, je le présente. Ou alors oui, ah j'ai oublié de changer la batterie de mon casque. Alors attendez, je vais la changer tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Hop. Voilà, batterie mise. Je réactive le casque. Voilà. Tac, je remets l'autre à charger. Excusez-moi, je pensais l'avoir, je comptais le faire avant le début du live et j'ai oublié. Du coup, bon, on va commencer peut-être à faire les défenses maintenant, vu que... Ou alors peut-être avant de faire les défenses, peut-être faire un ou deux bonhommes en plus en défense. Quoique, il n'y a pas besoin d'énormément de gars, il travaille... Ah, toi. Voilà. Parfait, comme ça on va avoir la source. Et donc là je vais commencer à faire mes défenses. Je vais essayer d'y aller méthodiquement. Tant que possible. Donc le centre est là. On va te mettre là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula. Donc je vais tirer 2. Alors 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il en faut. Il y en a combien? 1, 2. Bah tiens, je vais faire plus simple. On va utiliser tous les outils du jeu pour le faire. La meilleure façon possible. On va copier. Poser. Là. C'est quoi cette histoire que ça sélectionne même eux? Et on va te mettre... Je crois que je suis bon là. Voilà! Ça m'a l'air pas mal. On va mettre une porte là. Une ici. Euh...
peux pas la mettre pile au milieu, c'est dommage. Voilà, ça va être comme ça. Et je pense qu'on peut commencer là. Là, je pense qu'on peut commencer la construction. Là, je vais mettre des tourelles en fait. C'est pour ça que... En avant. Ouh, on est 1300 plus sur le live. Alors, le record était 1600 et des poussières en même temps. Mais là, là c'est pas mal du tout. Ouh, Baptiste, Solidane, je ne peux pas rester, mais je tenais à te faire un petit don, tu mérites. Et j'ai un peu la flemme d'aller sur YouTube. Bah, merci à toi, Baptiste, et bah, bon après-midi. Ah, ça y est, c'est parti. Alors, maintenant, on va mettre les portes. Donc, c'est parti. Je vais avoir besoin de cailloux, donc ils vont devoir aller en chercher. La porte est posée. Et ça, c'est les débuts de mon château. Je devrais avoir de la place à l'intérieur pour faire ce que je veux. Du moins, je l'espère. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus... Je veux pas le faire trop grand non plus, parce que sinon, je pourrais jamais le terminer à temps. Ah, on a un nouveau. Tonton. Bienvenue, tonton. Oh, tonton, il est pas content d'être là. Il dit, c'est quoi ce bordel dans cet endroit ? Je pense faire combien d'épisodes sur le jeu. Je décide jamais à l'avance le nombre d'épisodes que je vais faire. C'est tout le temps sur le moment. Pardon, c'est tout le temps sur le moment en fonction. Ah, une loterie démarre. Donc je vous rappelle, les développeurs ont été géniaux et m'ont donné 3 clés à vous distribuer. Parce qu'apparemment, le live précédent du jeu, qui était, je rappelle à nouveau parce que j'en suis fier, le premier français, a généré tellement de... on va dire de trafic sur le jeu, qu'ils bah, sont venus me donner des clés à vous donner. Donc là, il y en a 3. La loterie est lancée. Suivez le lien qui est posté par Maïmé. Et d'ici, alors je sais pas combien de temps la loterie dure. Je crois que c'est 15 minutes qu'on va faire. D'ici 15 minutes, un gagnant va recevoir par email la clé hein, du jeu. Alors attention, mettez bien un bon email et vérifiez sur cet email-là que vous avez bien reçu hein, la réponse, enfin si vous avez gagné. Hein. Parce que si vous mettez un mauvais email, vous faites une erreur dans l'email, ça va être envoyé sur l'email-là et voilà, c'est fichu. Alors du coup, j'ai plus assez de cailloux. Il va falloir creuser. Et alors pour creuser, je sais pas trop où me mettre. Pourquoi vous venez pas ramasser là? Ils viennent pas ramasser là. Je vais devoir. Alors, 2 minutes pour le suivant. On a quoi? On a un arbalétrier et un tank. Alors du coup, tu vas me faire un autre tank. Est-ce qu'on a... On n'a pas énormément de fer. Donc c'est parti. Et alors ouais, creuser. Creuser pas trop loin. Je peux creuser à l'intérieur de ça? Allez, on va creuser là-dedans. Ou alors je peux creuser ici tout simplement, ça va être plus rapide. Là, ouais. Alors. Voilà. Venez me chercher de la roche là. Et alors, il y a un petit peu de ressources. Il y en a plus là-dedans. Je ferai peut-être un tunnel vers là-bas. Et ils arrivent dans 15 secondes. Donc, je vais attendre un peu qu'ils arrivent parce que je me fais tout le temps brûler. Pourquoi vous n'allez pas creuser? Ils ne vont pas creuser. Ça, ça m'arrange pas. Les gars, vous avez un job là. Le job, il est juste là. Je vais le mettre ailleurs alors. On va creuser là. Ouais, mais non, là, ça m'arrange pas. Donc, je vais te mettre là. Regardez, ils y vont pas. Je n'ai rien à faire.
Ah ouf, vous m'avez fait peur. Alors les ennemis, ah les ennemis. Vous allez devoir venir aider par contre les gars. Je vais bientôt devoir le faire fuir. Ouf. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, donc je suis un petit peu loin avant de... Ne laisse pas les carrières toucher le bord des îles, sinon ça bug, d'accord. Là, le chemin est bon. Donc là, ils vont me ramener la roche et on va repartir. Arrêtez de me ramener du bois là, par contre. Je vais désactiver ça temporairement. Arrêtez de me faire des planches, voilà. C'est le bordel. Posez ça là si vous voulez. Et alors, je vais donner un ordre à priorité supplémentaire à cette tâche. Moi je le rajoute. Ah voilà. Ah non, je peux pas le faire tout de suite, je vais devoir le faire comme ça. Une fois que ça c'est fait, je vais plus qu'à avoir à finir les coins. C'est bon. Bon. Ok, c'est bon. Et regardez, les gars ne font rien, je comprends pas. Je crois que j'ai cassé la map en changeant, en la modifiant. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Donc toi. Ça y est, ils sont repartis. Ici. Ah oui. Pose nos armes. Coucou Dan, excuse-moi de t'interrompre deux secondes. Ouh, ton son est fort, oui, vas-y. Oh, pardon, désolé. C'est juste pour faire un petit message parce que le site, il est en PLS car il y a beaucoup d'activités dessus. Donc ceux qui veulent s'inscrire à la loterie doivent refresh la page avec F5 régulièrement pour s'inscrire à la loterie. D'accord. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est qu'il y a Sauropod Studio qui est sur le chat. Je sais pas si tu as vu. Ah, et qui te donne plein de petits conseils. D'accord, alors effectivement. Ah, je viens de voir là, oui. On leur fait un gros coucou. Alors, Sauropod, c'est vraiment étrange. Peux-tu cliquer sur la tâche de la carrière? J'ai jamais vu ça. Alors, on va cliquer dessus. Voilà. Et elle est pourtant, elle est là, mais effectivement, les gens. Les gens ont pas l'air de vouloir vraiment travailler dessus, en fait, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Sur ce, je file, je te dis à tout à l'heure. Ah, à plus ça. Je vais peut-être devoir me concentrer sur des autres endroits. On va essayer de ramasser de la roche, là. Ou on va peut-être retirer les arbres. Je me dis, on va peut-être couper les arbres. On les retire, tout simplement. Allez-y.
va faire de la place, ça va peut-être débloquer. Et si ça ne débloque pas, on va aller... On va aller ramasser les rochers là. Parce que ouais, là, là ça me bloque sur mon expansion un petit peu. Hein. Voilà, on va mettre... On va mettre là des stockages. Là, c'est juste pour retirer les rondins. Et on va reprendre l'ordre de coupe. Et la nuit est là. Alors, j'en suis à où ? Go les 2000 personnes sur le live, là on est à 1400. D'ailleurs au passage, laissez un petit pouce bleu si vous voulez bien, si ça vous fait plaisir, si ça vous voulez me faire plaisir. Et non, pas si ça vous fait plaisir, j'espère, mais bon, pas obligé. je pense qu'on se rapproche des 1650 qui sont le record. Hein. Et alors j'aurais peut-être préféré qu'ils me mettent ça sous forme de planche, mais... Ah là ils ont repris, alors je pense que c'était les arbres, vous avez vu là ils ont bien repris la creuse. Bon, on va libérer les gars de là, déjà. Ah. On continue à retirer les rondins. Ils me ramènent là. Ici, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du fer. Donc on va renvoyer les gars me récolter du fer ici. Je pense que c'est plutôt que le site est en PLS parce que trop de gens vont sur pour la loterie. Ah là voilà, donc là je suis rassuré, c'est reparti. J'ai eu peur qu'à un moment qu'en modifiant la map j'ai cassé le gameplay et apparemment là on est reparti. Hein, c'était juste, je pense qu'il devait y avoir un arbre qui devait être dans le rayon de l'endroit où je creuse. Alors, du coup, toi, je vais temporairement te faire passer en conversion, voilà. Parfait. Et finissez-moi mes portes, finissez-moi mes défenses. Une minute pour le gars suivant. J'ai combien? J'ai deux tanks. Alors, je voudrais que tu me fasses... je voudrais que tu me fasses maintenant deux rouages. Et on va lancer un arbalétrier. Comme ça, deux tanks, deux gars qui font des dégâts à distance, ça va être pas mal. Et les gars, ils vont creuser avec les rondins autour, il n'y a pas de problème. Donc je vais rediminuer la priorité de cette tâche, pour la remettre en normal, pour que les gars viennent reconstruire. Voilà, ils sont partis, voyez, sur la construction maintenant. Ça va, on est bon. Ah, les carrières sont vraiment sensibles, tu me dis. Effectivement, oui, bah, je viens de m'en rendre compte. Ah, ça y est, on passe au level 2. Et là, voilà, là, le château démarre vraiment maintenant. Ça y est, le château arrive. Alors, il me faut deux gars. Donc, vous deux, venez, vous allez être tank. Toi, t'es désigné en gars qui va choper l'arbalète. Et alors, je sais pas d'où ils vont arriver. Ils ont eu tendance à arriver du côté là. Donc, je vais vous mettre là pour le moment. Il me faudrait faire de la lumière également parce que les nuits sont un peu sombres là. Et on va voir d'où ils arrivent. Allez, tiens, je te mets en hauteur. C'est plus haut de ma base pour le moment, presque. Hop là. Ouh, regardez cette tête. Lui, c'est un sniper. Alors. J'espère qu'ils vont pas avoir à faire un super détour pour venir là, parce qu'ils vont mettre trop de temps à arriver, sinon. Hop. Alors, eux, quelle est votre... Ah, on voit pas leur tête, zut. Lui, a l'air plus sérieux, par contre. Hein. Celui de droite a l'air plus sérieux que celui de gauche. Bah alors? Ah, ils arrivent bien de là-bas. C'est bon. Et là, par contre, il y en a plusieurs. Ouh, allez.
Est-ce que je dois envoyer de l'aide? C'est là qui... Oula! Là, il va balancer un caillou! Ah! Arrête avec tes cailloux! Ouais, je vais devoir envoyer de l'aide. Alors toi... On va te reculer un peu. Ils vont se... Ah, j'ai peut-être pas besoin d'aide en fait. Hein. J'ai pas besoin d'aide. Voilà. Et on est à combien? On est à 200 sur 220. Donc je vais bientôt pouvoir accueillir un petit nouveau. Ah, plus que 5 minutes pour la loterie. Donc suivez le lien. Ah, bah ça, il est arrivé. Inscrivez-vous dessus et tentez votre chance pour recevoir une des 3 clés qui m'a été donnée par ce repas de studio. Du coup, alors oui, reposez vos armes. Parfait. Et alors, je vais commencer maintenant à faire les choses un peu plus sérieuses. Je vais maintenant, pendant que tout se déroule là... il me ramène les rouages, génial, il me ramène les rouages pour mon autre arbalète. Je vais dans le mode de construction et je vais sortir toi. Alors, je vais devoir essayer de... Je vais faire plusieurs essais. Jusqu'à ce que je trouve un truc qui me plaise. Donc là, c'est 2, 2. Ça m'a l'air ok. D'accord. Et je vais mettre là l'entrée. D'accord. Alors, on va faire le deuxième. Ça m'a l'air bon. Mais ça m'a l'air un peu petit, là. Parce que je me dis, si je mets comme ça, est-ce que je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Donc, on va l'agrandir. L'agrandir un petit peu. Et je fais des tests, hein, là. Je fais des tests. Ouais, ça m'a l'air bien, là. 4. Alors, on va juste laisser le terminer et voir si ça donne quelque chose de bon. Visuellement. Ouais, ça me convient. Allez, ça me convient. Donc, on repart, on continue. Désolé, je regarde pas le chat parce que je suis en mode construction. Alors est-ce que je peux pas les... Peut-être un moyen de les... Pas avoir à sélectionner comme ça à chaque fois. Si j'appuie mage... Ah, ça me le refait quand même. Alors je vais pas pouvoir le finir là, zut. Ben, celle-ci va être un peu différente. Pas de problème. Alors faudra retirer le rondin là, du coup. Alors toi, ou toi. On va sélectionner toi. Ah, il a pris autre chose. Toi, viens.
Ah oui, faut valider déjà. Viens prendre le rondin. Et tu vas m'amener ailleurs. Ouh, on est 1551. Oh, génial. On va péter les records encore. Et alors, du coup, je vais revenir dans le mode de plan. Alors, vous êtes vraiment fan du jeu, hein, je vois. Ah. Hop, voilà. Allez-y. Alors, je... sauvegarde la sélection. Alors, je vais regarder pour sauvegarder la sélection. Désolé si je rate des messages hein, quand je suis concentré sur... sur le jeu. Alors. Bonnard. Tour. D'accord. Et donc je fais... sauvegarder. D'accord. Oh, d'accord. Et donc je pourrais continuer, vous voyez, sur les levels suivants. Parfait. Alors, il me reste 3 minutes avant la suite. On en est où côté... Ah, côté... là, on a toujours pas assez de... Toujours pas assez de cailloux. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un autre problème. Alors, je vais mettre plus de stockage pour virer encore les rondins qu'il y a dans la... dans notre mine. Allez-y, les gars. Ouh. quoi, personne qui regarde. Oh purée, mon compteur est en retard alors. Ben si c'est 1700, 1687, on a passé le record là. Pensez au pouce bleu, comme ça, ça fait remonter. Et je me demande, on est classé combien là sur... est-ce qu'on est premier en comme live français, comme la dernière fois ou quoi. Alors là, ils sont en train de me vider. Ils sont en train de me vider tout ce qu'il y a là. Les gars, prenez-moi les... Je crois que c'est ça qui est bug en fait. Genre, est-ce que j'ai bien mis du caillou? Pierre. Ouais, j'ai bien mis la pierre. Mais je pense, ouais, c'était peut-être les rondins alors. Ils ont retiré des rondins, donc il y a plus de place, ils peuvent continuer à creuser. Alors, je vais arrêter de demander des feuilles. La construction, tu continues. Le fer, on en a besoin, mais je vais dire... Je crois que je peux le dire de mettre en pause, non? Je sais pas si tu peux me dire... Je sais pas si je peux te dire de mettre en pause. Je peux diminuer ta priorité, par contre, pour le moment. C'est quoi ça? C'est un ordre... C'est un ordre de quoi? Donc une minute avant le suivant. Et on a encore 180 pour la suite. N'oublie pas que tu ne fais plus de planches. Alors c'est exprès parce que regarde, là j'ai tellement de planches là. Et j'en ai encore ici. Que côté planche, j'en ai bon pour le moment. Et alors les gars, ils ont l'air de vouloir amener les cailloux là. Plutôt que les amener là-bas. Pourquoi pas. Je vais mettre un ordre pour nettoyer là. Ah oui, non, c'est plutôt par là. Ah, j'ai les deux arbalétriers. Alors maintenant, je vais même y mettre une autre forge. On va pas assez vite. Lâche-le. Viens t'armer. Alors la dernière fois ils sont venus du côté là, donc je pense que ça va continuer. Donc venez là. Il faut vraiment que je fasse du nettoyage là. Cette fois-ci, la map est vraiment plus bordélique que la dernière fois. T'es quatrième des live gaming. Ouh, on n'est pas aussi haut que la dernière fois, mais on va y arriver, on va y arriver. Dan, quand tu mettras les supports des planches, tu peux alterner bloc 2 et bloc de support. D'accord, je sais pas ce que tu me dis, mais... Ah oui, non, je crois que ça va, d'accord. Oula, ils vont lancer des cailloux. Hop.
disparu. Reviens là. Oula, c'est pas bon là. Là j'ai besoin d'aide. On va aider là-bas. Non, non, toi tu continues à rester éloigné. Juste récupère un peu de bouclier avant que je t'envoie. Ouh. Bon, il me faut plus de guerriers là. Plus de guerriers, plus d'arbalètes, d'arbalétriers. Donc posez vos choses. Donc toi, tu vas me préparer un autre kit. Toi, tu vas me faire deux rouages et en avant. Et toi, tu vas me faire également des lingots de fer. Et on continue la construction là-haut. Et une fois que ça va être fait, je vais faire donc les tourelles. Je vais mettre des plateformes et je vais peut-être faire au centre quelque chose pour une catapulte. Ou alors, je pourrais à la rigueur aller là-haut, faire une tourelle là pour attaquer là, vu qu'ils arrivent tout le temps de là apparemment. Et mettre quelque chose là-haut. On verra, on verra. J'ai pas mal de bons petits plans. Alors je sais pas si j'ai le don de préscience pour anticiper l'attaque. C'est surtout qu'ils ont l'air de venir à chaque fois de là. On a quoi? On a eu 3 ou 4 vagues et ils sont tout le temps venus d'ici. Donc je me dis... d'ailleurs comment est-ce qu'ils passent pas? Ah ils font comme ça, d'accord, ouais. Je me dis qu'ils vont tout le temps venir de là. Alors il y a d'autres endroits d'où ils sont censés attaquer de là-bas, de là, mais... ouais. Je sais pas, ils ont pas l'air de vouloir. Alors on en est à combien? À la moitié du gars suivant. Ah oui c'est vrai, je peux également les lancer. À chaque fois j'oublie. Je peux... Bah. Voilà. Je peux faire l'alerte et les renvoyer au travail. C'est vrai que je l'ai fait dans le live précédent, là j'ai un petit peu zappé. Mais bon, comme ça. Bien, alors maintenant j'ai autre chose à faire. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, on va mettre... Est-ce que je le mets dedans? Ouais, je comptais mettre ça là-dedans, mais je me dis si je le mets dedans... Ah, je vais y arriver. Alors si je te mets là... Mon problème est que je vais avoir moins de place pour mes défenses en haut. Vous en pensez quoi? Je les mets là ou je les mets ici? Vous voyez où je le fais là? À l'extérieur. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment je valide pas. Je peux le faire à l'intérieur, ça serait peut-être plus joli. Mais je vais perdre un petit peu d'espace pour mes archers. Ouais, il y aura une rediff, il y en a toujours une. Alors, ah, là j'ai plein de ressources dedans. Je vais peut-être devoir mettre une mine ailleurs. Parce que je me dis que si je continue à creuser là, je vais commencer à être profond. Je vais peut-être mettre là. Et en plus, on va se débarrasser de tous les problèmes que j'ai ici. Avec, par contre, il me ramasse pas les rondins. Hein. Allez, on va aller creuser là. Thank you.
faut mettre de la roche uniquement. Et là, ils ont l'air, vous voyez, de creuser plus, plus rapidement que ce qu'il y a là. C'est le bordel, là. Là, c'est le gros bordel, là-bas. Voilà. Allez-y, comme ça, vous allez alimenter là. Alors, on en est à ouf. 3 gars, je veux plus d'arbalètes. J'ai plus. Il me faut. Voilà. Et 3 minutes pour le suivant. Ça doit être jouable, j'espère. Les rouages vont être faits vite. Donc tout le monde me dit à l'intérieur, d'accord. Bon, on va faire à l'intérieur. Donc je vais les laisser finir ça, puis on va le mettre à l'intérieur. Côté maudit. En plus, j'ai déblayé là, donc les gars vont pouvoir m'attaquer de là-bas. Alors. Tu vois, 3 carquois, 3 tout. Ouais, mais la suite arrive. Maintenant, tu vas me faire les cordes. Toi, tu vas me faire l'arbalète. Ah, c'est vraiment plus beau, hein, la journée, la map, là, je trouve. L'arbalète est faite. Ensuite, je vais bientôt plus avoir de place. Donc alors, je vais faire un autre pour les armes. Je vais mettre 2. Donc, tu m'as fait le carquois. Et il me reste le chapeau. Et on va être prêt, effectivement, pour la suivante. Alors, tu vas me faire 2 de plus. Et tu vas me faire un kit de combattant, de guerrier. Parce qu'il reste une place là. Et alors, je vais commencer peut-être à placer un hôtel. Voilà. Mais des balises de soins. Alors, j'aimerais bien en mettre, mais ça va devoir attendre un petit peu. Parce qu'on n'a même pas la tour, donc je peux pas encore poser les balises dessus. Je vais pas faire de douve. Ah, tu veux dire juste faire un trou pour les ralentir? Ça, je suis pas complètement contre. J'aime pas vraiment abuser des éléments de gameplay. J'aime bien y aller sérieux. Mais on va voir, on va voir. Alors, du coup. L'épée est faite. Il manque. Je crois. Alors, ils peuvent encore rentrer. Oula. Ils peuvent encore rentrer dans la base. Mais ça va bientôt être barricadé là. Oula. D'où tu me sors les lingots là? Alors. Très bien. Alors, je pense que là, ils vont peut-être commencer à arriver d'un autre côté. Je me dis, dans la logique, ils sont arrivés un peu trop du côté là. Mais je vais quand même vous mettre là. J'ai que 3 tanks. Ah non, ils arrivent de l'autre côté, ils arrivent de l'autre côté. Ah ouais, je me disais, ouais, je suis peut-être pression en fait. Comme on me l'a dit. Alors, les... Est-ce que vous pouvez monter là-haut? Je pense pas que vous pouvez monter. Je vais vous faire aller. Allez-y, allez-y! Allez, boum, boum! Alors, par contre, j'ai du mal à voir les méga là. Je crois qu'ils sont bons, hein. L'autre qui se ramène, il a même pas d'arme, il vient donner des coups de poing. Hervé, il est bourrin.
Il tire dans le dos de Azim. D'accord, bon, c'est bon. Ah, on peut avoir un nouveau bonhomme et tout le monde vous repartez au travail. Ah non, c'est pas fini. Il en restait un. Tu sors d'où? Voilà. Bon. Posez vos choses. Ouh là, oh lui, il a pris des dégâts lui. Hein. Ouais, alors je vais peut-être voir pour terminer ça. D'ailleurs, est-ce qu'on a, ouais, on a encore du soufre. Faudra que je voie pour faire un soigneur. Un soigneur mobile. Donc coucou à ceux qui me rejoignent, je vois qu'on continue à grimper, génial. Ouais, Scarecrow, il y a eu un gros patch sur le jeu qui a changé beaucoup de choses. Donc celui de la version 1 déjà qui était gigantesque. Et dernièrement, il y a eu l'ajout bah, du désert que j'adore en visuel. J'aime moins la glace, les maps enneigées, moins fan de ça. Mais le désert est vraiment joli, je trouve. Surtout la journée. Alors. Donc les gars reprennent la construction. Et alors s'ils finissent là, et puis ils finissent ici, les gars vont... Ah, il me reste les deux endroits là. Les gars ne pourront plus rentrer. Sans péter les choses, bien entendu. Ouais, Hervé, c'est un bourrin. Trois tanks suffisent, hein. Il vaut mieux avoir suffisamment d'arbalétiques que de tanks, en tout cas c'est ma technique à moi. Mais je vais quand même avoir un quatrième tank. Les tanks sont juste là pour retarder les ennemis, avoir un bon DPS et et pas mal. Alors toi, il me faut tellement de choses. Il me faut du textile et il me faut du verre. Alors du textile on en a. Du verre on en a là. On va en faire un petit peu plus. Est-ce que j'ai du fer encore quelque part? J'ai encore du fer là, d'accord. Donc on peut le voir là, oui, 80 de fer. Bon, alors, vous m'avez voté de mettre les escaliers à l'intérieur. On va essayer de te mettre là. J'espère que je vais pas bloquer. Il peut passer là, hein, il peut passer, ouais. Alors là, je fais combien de hauteur? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me paraît pas mal, on va commencer avec 5. Et alors, on va... Donc, escalier. On va enregistrer. On va charger. Ah, je l'ai mis... Ah oui, si, il va être un peu différent, lui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est fait. Le problème, c'est que si je l'avais mis, vous voyez, si je l'avais collé là, ils auraient pu grimper plus facilement pour... comment dire, ils auraient pu grimper plus facilement pour aller là, mais on va voir ce que ça va donner. Là. Non, je ne ferai pas de Rimworld. Maintenant, on va sélectionner ça. Je crois que je suis bon. On va t'appeler mur 1. On va sauvegarder. Ah, alors là j'ai un petit souci. Je vais me retirer toi.
Et je retire ça. Sinon, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ah, j'en ai pas mis là. D'accord. Non, là, ça va devoir avoir ça. Hop, et je suis concentré là. Je vérifie qu'il y ait... Vraiment, j'ai un problème sur le sur celui-là là. Pour tous les quoi, ouais, il manque à tous. Ah, j'ai peut-être mal copié. D'accord, et... Tac. Bon, bah, le château commence à avoir de la tête, là. Commence à avoir de la tête. Et on valide. Ouh, voilà. 1847, quoi. 1847 pouces bleus ou... gens qui regardent. Il manque des blocs dans les tours. Bah, j'ai corrigé, hein, normalement. Tu devrais le voir dans un instant. Et bah, maintenant, avec tout ça, j'ai plus qu'à regarder mes gars travailler dur. Alors oui, il y a un ajout qui a été fait. C'est qu'avant, les Bricktrons ne pouvaient poser les blocs que sur deux rangées. C'était vraiment restrictif, effectivement. Et là, maintenant, ils peuvent aller sur trois, ce qui est vraiment cool. Alors, est-ce qu'il m'a fait... Il m'a fait le mage. Mais j'aimerais... plus de gars qui font... De... Alors, oui. Plus d'arbalètes. Tu vas en faire deux. Je vais avoir besoin de toi. Est-ce que je fais un autre qui soigne? Vous en pensez quoi? Un autre qui soigne? On attend. J'ai combien de... Déjà deux. Alors, j'ai 4, 8, 9. Et j'ai combien de Bricktrons? Je sais plus, on les voit. On voit combien, où le total est indiqué. Ah, j'en ai 9. Ouais, donc là, je peux faire des nouvelles choses, mais ça va pas servir des masses tant que j'ai pas de nouveaux gars qui me rejoignent. Donc, je vais devoir me calmer un petit peu sur les armées. Du coup, je vais même annuler. La raison que j'annule, c'est que si je mets trop d'arbalètes et que j'ai pas assez de Bricktrons pour les ramasser, et que je lance l'armement automatique, ils vont pas peut-être... Je vais peut-être pas avoir tank. Ils vont tous aller en arbalète, genre de choses, donc... 1850 personnes, 1400 likes, d'accord. Donc pensez à laisser un petit like, et alors au passage, si vous voulez, il y a un Discord de la chaîne, je vous invite à nous rejoindre dessus. Le lien va être mis dans la discussion, ou alors vous pouvez l'avoir dans la description. Le week-end prochain, samedi à 15h, on va faire un tournoi sur le Discord, avec des clés de jeu à gagner. Donc vous pourrez me rejoindre, je vais vous poser des questions, on va vous distribuer par équipe, et ça va être un tournoi éliminatif. Et je pense que ça va être bien fun, on l'a fait dans le passé, on s'est toujours vraiment... vraiment amusé, donc je vous invite à nous rejoindre. Et sinon, si vous voulez donner un coup de main à la chaîne, il y a toujours le Utip. Ouh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il veut poser ça là? Ah, d'accord, alors moi je l'ai fait les rouages, mais les amis. T'as un stockage de rouages qui est. Il l'avait pas mis là? Ah, j'ai peut-être changé. Il semblait l'avoir mis là, le stockage de rouages. En fait, non, il est à l'autre bout. Ah, j'aime pas trop parce que les Bricktrons passent là, je sais pas, je crois pas qu'il tape les stockages, mais quand même, on marche comme ça. Alors, je vais avoir besoin bientôt, donc on va leur dire maintenant de faire des balises pylônes. Et on va leur dire de faire des balises sentinelles. Et je vais mettre les stockages là, pour ça. Alors bah tiens, ici. Balises sentinelles. Balises... Alors, lanterne, je vais en avoir besoin. Ah! Oh, j'ai complètement oublié! Oh, vite, vite!
Ouah, y'a gros. Oulala. Oulala, là j'étais tellement concentré, j'ai pas fait gaffe. Allez, allez-y. Oh. Alors toi, tu vas les faire courir maintenant. Toi, tu vas soigner. Ouh. Alors là, j'ai failli me faire avoir, mais un truc de méchant là. Oh là là. Bon, c'est reparti. Ah, qu'est-ce que vous avez fait là, les gars? Bon, je peux avoir un nouveau bonhomme. Donc là, on est 10, donc je peux faire effectivement une nouvelle. Je vais faire un nouvel arbalétier. Allez, j'aime bien. J'aime bien les arbalètes. C'est parti. Ouais, le mage était en DPS, mais j'ai changé après. Bon, alors maintenant la question, ouais, ils arrivent à grimper là pour faire le nécessaire. Ils vont pouvoir grimper là pour faire le nécessaire également. Donc c'est parfait. C'est parfait. Donc j'ai pas besoin de faire de nouveaux rouages. Je dois les laisser finir maintenant la construction avant de vraiment leur donner d'autres ordres. Non, je referai pas du Stone Earth, j'en ai déjà fait suffisamment. Il y a du monde en multi ou pas? Alors, si tu veux jouer en multi, je dirais plutôt jouer avec des amis que des inconnus. Pourquoi tu ne construis pas des meurtrières au niveau du sol? Je pense pas que ça fonctionne d'enfer. Et surtout, ça affaiblit la construction. Parce que tu vois, voilà, c'est comme ça. Si je mets un trou, s'il casse cet endroit-là, par exemple, celui-ci va tomber et va se casser. Ça affaiblit pas mal les constructions. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ouh, plus que 100 likes avant. Alors, apparemment, les nombres que vous voyez sont différents. Certains me disent qu'on est proche de 1000, d'autres qui me disent qu'on est à 1500. Ah, regardez. Regardez. Ah, c'est vraiment génial. Là, je pense que ça va être mon meilleur château. Si je me fais pas défoncer par les gars avant, je pense que ça va être mon meilleur château jusqu'à présent. Pourquoi jouer avec des amis? Parce que c'est juste plus fun. Et je sais pas s'il y a un mode de recherche pour trouver des inconnus. Là, je dis une bêtise, j'ai joué qu'une fois en multiplayer, donc ça a peut-être changé. Mais je me rappelle pas avoir un système pour trouver des gens avec qui jouer. C'est vraiment pas, je pense, hein, c'est plus un jeu solo que multi. Donc de toute façon, je pense pas qu'il y ait du monde... en multi. Bon, alors. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à faire les plateformes. On n'est pas loin. On n'est pas loin de... d'avoir un bon système en place. Alors, regardez-les. Alors, je le répète, par contre, je suis vraiment déçu du fait que les briques troncs ne s'échangent plus les ressources lorsqu'ils se croisent. Maintenant, ils se traversent. C'était vraiment un truc que je trouvais trop mignon. Alors, je sais que ça rendait l'intelligence artificielle folle. Mais j'en étais trop fan de ça, de les voir. Vous voyez, le gars qui se balade avec le bloc. Un autre monte dans l'escalier, hop, il s'échange le bloc. Ça, c'était génial. Ah, une lanterie est lancée. Donc je vous rappelle, les clés sont mises à disposition par Sauropod Studio, donc les gars qui ont fait le jeu, merci. Donc là, il y a une loterie qui est lancée par MyMay, suivez le lien et bah, tentez votre chance. Il y a un mode sandbox, alors t'as un mode créatif, où tu fais ce que tu veux et je crois que t'as pas de limite de ressources, mais bon, t'as pas à faire la récolte. Pour moi, c'est moins intéressant, c'est plus pour faire des tests peut-être, mais bon.
Emigam, j'ai pas dit que je voulais en faire des douves. J'ai dit que j'allais peut-être en faire, j'ai pas encore décidé. Parce que si je fais les douves, ça ralentit également mes gars. On va voir, je sais pas, j'ai pas décidé. Et là, ouh, on est loin du 11e. Hein. Ça va être chaud pour le dernier. Alors par contre, côté fer, j'ai combien de fer? J'en ai plus de fer. D'accord. Donc toi, on va te ramener là. Fais un donjon au centre. C'est jouable. Je sais pas si je vais faire... En tout cas, je vais... Un donjon, tu veux dire quoi? Un truc creusé dans le sol? Ça, je vais pas le faire. Par contre, je vais faire une plateforme par-dessus si j'arrive. Il y a beaucoup d'obstacles, donc je sais pas si je vais y arriver. Mais je compte, effectivement... Oula. 4. Alors, bah tiens. Pendant qu'on y est... Voilà. Je sais pas si je peux en mettre 8, là. Je compte, ouais, au moins faire une plateforme là pour mettre des catapultes. Je voudrais mettre plusieurs catapultes. Donc, c'est mon objectif. Tu laisses les 4 portes. Ouais, je vais les laisser. Je me dis, si je veux faire sortir mes tanks, c'est trop la misère, vous voyez, là, d'aller ailleurs. Donc, ouais, les portes sont des points faibles. Mais je préfère que ça, que ouais, de faire tourner mes tanks pour venir là, vous voyez. En plus, vous voyez, regardez, mes gars rentrent plus rapidement dans la base. Là c'est des portes renforcées, c'est pas des basiques, donc elles vont tenir. Je vais peut-être les doubler, on va voir. Mais les pièges, alors je compte faire les pièges. Le problème avec les pièges, c'est que c'est super embêtant de les rétablir. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors on va peut-être en faire quand même, ouais. Les pièges, c'est qui les fait? C'est toi. Un lingot de fer. Tu vas en faire un paquet. Et on va les poser là. Comme ça, quand on va être prêt, on va aller les poser. Et donc là, on a fait, je dirais, pratiquement la, allez, le tiers de la quatrième ligne. Et on commence à avoir beaucoup de tourelles de défense. Ah oui, je voulais faire des tourelles de lumière également. C'est lequel qui l'en fait? C'est pas toi. Donc il doit me manquer, c'est vrai. C'est pas l'hôtel. C'est le laboratoire. Ah, ça, c'est les pièges, d'accord. Pas assez de vagues, tu rigoles? Tu veux ma mort? Il y en a assez de vagues. Fait des tours. Alors, je pourrais faire effectivement des tours à l'extérieur. Je compte en faire au moins une là pour relier là-haut. Voilà. Donc, c'est très jouable. Alors, ouais. Oula, petite prise. Venez prendre vos armes. Vos armes citoyens. Oh, le bordélique. Oula. Vous avez entendu les bruits qu'il y a eu là? C'était un peu... Venez les gars, venez vous armer. Lâche ton stuff et viens ramasser ça toi. Alors, vous arrivez d'où? J'entends un gars qui tape encore. Oh! Oh! Oh purée! Qu'est-ce que t'as pris ma porte, toi? Donc, je vais attendre qu'il le finisse.
Il s'est pris genre 10 flèches dans la tête, il a dit non, c'est, je veux pas venir par là. Voilà, alors maintenant elle est là. Ah, ils ont pété ma porte. Ah, il va falloir que je la double. Il va falloir que je la double et que je trouve un moyen de les empêcher de venir par là. J'ai eu de mort. Et je me suis pas du tout servi de Hervé. Hervé c'était le bourrin du groupe. Et là il avait son petit sceptre. On va devoir réparer. J'ai pas trop compris pourquoi il tenait à aller vers là par contre. On va réparer là. Et on va remettre. Le gars il est passé devant genre toutes les portes là pour aller là-bas. Il avait une idée, je me l'ai dit, il va m'attaquer de dos. Ah, alors le site de loterie comme MyMedi a beaucoup de trafic, vous êtes vraiment nombreux à aller dessus et il est vraiment pas fait pour accueillir autant de gens. Vu que vous êtes, beaucoup aujourd'hui. Et donc, désolé, rafraîchissez la page, il y a une quinzaine de minutes de toute façon et vous allez pouvoir participer à la loterie. Bon, alors, je crois qu'on est... On est presque bon, hein. On est presque bon. Donc, je vais commencer à préparer la suite. Là, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Alors, il y a une partie qui va être simple, ça va être ça. Alors là, je vais essayer de me... oh là là, ça se complique, là. D'accord. Ouais, là, c'est un peu bizarre, là. C'est pas grave. Là, je vais devoir y aller à la main, manuellement. Je comble. Donc si vous savez pas ce que je fais là, vous allez bientôt voir. C'est cool, hein, les développeurs ont rajouté des blocs qui me manquaient vraiment avant. Donc là, je peux vraiment me lâcher. Pas nécessaire, genre toi, je dis comme ça. Alors, ça va en faire un paquet de blocs. Hein. Ça va en faire un gros paquet. Et on va passer au bois maintenant. Alors, maintenant, mon problème, c'est comment. Ah, j'aurais peut-être dû. Je me dis que j'aurais peut-être dû le faire. Ouais.
Je vais le faire à la main. Ça va être terrible, mais bon, trop tard. Voilà, j'aurais dû utiliser les plans pour celui-là. Alors là, ils doivent passer, donc je sais pas si je vais pas te mettre là. Par contre, on va te mettre là. Voilà, on va faire un essai là. On va voir ce que ça va donner. Et on fera pour le reste après. Alors, je vais voir si je peux juste copier. Peut-être. Bah tiens, je vais faire un test là. En passant le mode là. On va juste copier. On va juste copier ça. Je peux quand même faire ça, d'accord. Ouais, bah c'est mieux que rien. D'accord, bah on va essayer de le faire là. On va l'appeler bois. On va peut-être dû l'appeler support, c'est pas grave. Donc là, c'est fichu, mais là... Alors, on continue. C'est pas parfait, mais c'est mieux que le faire à un à un. Et maintenant, je reviens là. Désolé, là, je regarde pas le chat tellement de manip à faire. Si vous demandez ce que je fais, il est possible que je fasse n'importe quoi là. Mais j'espère que c'est pas le cas. Hein? Je t'ai demandé de faire ça? Il me semble pas avoir demandé ça. Ah, du coup, je dois faire passer. Comment que je puisse? Est-ce que je peux les effacer? Ah, je peux les effacer comme ça, parfait. Voilà. Et alors ici. Je termine là. Oh là là. Bon, alors, on va s'équiper. Oh là là là, ça m'a demandé du boulot. Hein. D'accord. Mais le résultat devrait valoir le coup. Alors, venez tous là. Ouais, si vous avez gagné à la loterie, vous recevrez un mail directement avec la clé de jeu. Oh, ils ont pas fini là! Oh non, j'avais pas assez de fer apparemment. Ils n'ont pas fini la porte, je suis tellement concentré. Alors, où allons-nous intercepter en premier? Je sais pas d'où ils vont venir. Ils ont eu l'air de venir là, ils vont peut-être venir de là-bas, du coup, je me dis. Alors là, on a complètement explosé hein, les records, je pense, de vues sur la chaîne. Je crois pas avoir atteint les 1800 dans le passé. C'est juste génial. Vraiment génial. Rappel, laissez un petit pouce bleu si vous voulez bien, pour péter peut-être un autre record. L'autre record était 1800, je crois, en live. 1700. Alors, les gars, ils arrivent pas. Par contre, ça me fait perdre du temps parce que le timer défile. J'aurais bien aimé que le timer démarre quand on les a éliminés. Vous êtes où? Oh là là, je sais pas où ils sont. Ah, là. On va le passer en soin. Ah!
Il y a un gros. Va-t'en, va-t'en. Si tu peux, va-t'en. Ah, oh, il va mourir, lui, il va mourir. Ça va être ma première mort. Ah, il était coincé. Là, je pouvais rien faire pour lui. Notre première mort du coup. Heureusement qu'il soigne bien. Non là, attention. Attention, tombe pas dans le trou. Voilà. Alors. Ah, j'ai oublié un gars là. Par contre, bah le gars est déjà. Non, on a un nouveau qui est arrivé. Et Mop est en attente, je suppose, de récupérer suffisamment d'énergie pour revivre. Bon, alors les gars, je vous ai dit de rentrer. Donc on est à 10 gars. Et alors je vais mettre... est-ce qu'on a les ceux de lumière? Ouais, là on est reparti pour réparer la porte. Ouais, ceux de lumière. Il manque quoi? Il manque du fer également. Manque du fer pour beaucoup de choses. Ouais, les briques troncs volants, hein, vous les voyez, les... ça me fait trop marrer. Alors là, les murs commencent à être un petit peu hauts pour qu'ils soient propulsés par-dessus, mais quand même. les voir faire gerter à l'autre bout, ah, c'est génial. Par contre, ça fait un petit peu peur, vous voyez, quand ils se rapprochent du bord, c'est difficile. Hein, on serre les fesses, là, on se dit purée. Ouh, 1800 pouces bleus déjà. Alors, on est presque, je crois qu'il en faut encore 40 ou 50 pour péter le record. Mais donc, on va y arriver avant la fin. D'ailleurs, Maïmé ou Bastou, on en est à combien de loteries? Je crois que j'en ai vu deux, mais est-ce qu'on en a fait deux ou trois? Pourquoi je mets des planches en haut? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien. Je veux faire un beau château. Ouais, et puis j'ai beaucoup plus de planches. Alors, c'est vrai, par contre. On refait les planches. Parce que là, on va en avoir besoin. Alors, il y a une priorité, là. C'est relancer. Voilà, la fonte. Très bien. Côté fer, est-ce que j'ai encore... J'ai plus de fer. Ah, j'ai plus de fer. Pourquoi toi, tu ne travailles pas? Allez-y. 5 minutes avant la suite. Et Mop est toujours en attente d'assez d'énergie pour revenir. Alors, je sais pas combien d'énergie il me faut. D'accord, Bastou, on est à la deuxième loterie. Merci. Donc, je sais pas combien d'énergie il faut pour faire revivre un gars. Est-ce que je dois avoir la barre complète qu'il lui faudrait? Ou est-ce qu'on a... Un petit peu moins. Ah, il me faudrait mettre des lumières, parce que les lumières, ouais, là, c'est vraiment plus sombre la nuit. Donc là, la loterie est terminée. Donc il va y avoir un qui gagne. Alors les pièges, on peut les mettre maintenant, à la rigueur, ouais. On peut les mettre maintenant. Alors le problème c'est que je sais pas trop de quel côté ils vont venir, c'est ça qui va être problématique. On a combien de pièges? On en a 4. On va déjà en mettre 2 là. Et on va en mettre 2 là. Et on va les poser. Et alors je pense, je peux peut-être les recharger en utilisant la fonctionnalité réparer. Je sais pas si c'est possible. On va en mettre une là. On va voir si ça les réparer. On met hop, et une là. Ah bah tiens, toi t'as été endommagé. Hmm.
Oh, il y en a d'autres là. D'accord, j'en ai 6 de pièges encore. D'accord. Bon, on va les mettre ailleurs du coup. Est-ce qu'ils sont venus attaquer? Ils sont pas venus attaquer, ils sont allés là-bas. Je les ai pas vraiment vus venir vers là. Donc j'en ai vu venir ici par contre. Donc hop, on va en mettre 2 là. Il va me falloir faire un peu de verre. Un piège à armer là. Encore ici. Puis après, il faut les mettre ces tourelles. Dès qu'ils vont commencer à être un petit... Il faut vraiment que j'en mette beaucoup de tourelles. J'ai assez pour en faire plus. C'est quoi ça? Les tourelles violettes, elles n'ont pas été faites. Ah, c'est des bleus qu'il fallait mettre. Est-ce qu'elles ont été mises? Elles ont été mises là, celles de relais. D'accord. Donc, piège armé. Parfait. Les lumières éloignent le brouillard de guerre, effectivement. Ce que j'aimerais bien... Alors, je sais pas s'ils attaquent les lumières, mais j'aimerais bien comme illuminer l'intérieur, en fait. C'est pour ça. Tiens, est-ce que je peux... Je peux faire ça. Alors par contre si je fais ça, ça donne un accès direct au gars à ma base. Donc je vais peut-être pas le faire, je me dis du coup. Mais je peux rêver. Alors je tenterai plutôt, vous voyez là, de faire une autre tourelle là, plus tard. C'est quoi les tourelles violettes? Alors, on va faire l'ordre. Tourelle, balise, sentinelle, c'est attaque. Verte, ça guérit. Celle-ci, elle capture, mais c'est que pour le mode conquête, voilà. Et ça, ça étend la portée de distribution de l'énergie du cristal là. En gros, si elles sont en dehors Bah tiens, je vais... Vous voyez, elles vont être activées que si elles sont à l'intérieur. À l'intérieur, elles ne le sont pas. Donc, faut surveiller ça. Du coup... J'ai pas de tourelle de lumière. Donc, 1 minute avant l'arrivée suivante. Ah, regardez. Ah, lui, il est content. Lui, il est content de son boulot. Il préfère porter des planches, je suppose, que les autres, ils doivent se balader avec des blocs. Ici, ils ont fini la récolte de fer. J'ai combien de fer? J'en ai 21. Va falloir aller en chercher ailleurs. Ah, alors, c'est l'heure de la bataille. Où avons-nous plus de fer? Ah là, il fait vraiment sombre. Hein. Je préfère vraiment quand il fait jour. D'accord, alors. J'ai combien de tanks? Ah, j'ai perdu un tank, il faut que je refasse également. Un kit pour tank. Donc je vais devoir faire la vague là avec 3 tanks. Donc ils vont arriver. Ils vont arriver de là, d'accord. Ils viennent de là-bas. Ah, il est où le mage? Donc pour le moment tu vas attaquer avec eux. Éliminez-le. Lui est un peu en danger. Tu l'as peu, je peux tanker. Je
Éliminez-le. Bon, on est bon, et maintenant on s'attaque à eux. Là c'était peinard, là c'était peinard. Je pense que peut-être même, je vais peut-être pouvoir récupérer l'autre. Cool. Ah non, non, j'ai une mort. Oh, oh, je pensais que c'était bon. Ah, alors par contre. Oh, je suis déçu là de pas avoir fait gaffe. Donc il me faut un deuxième. Un deuxième kit. Alors. Très bien. On passe en bosseur. Est-ce qu'ils vont venir réactiver les pièges? Il est réactif. Oh génial. Ça c'est génial. Ça c'est génial. D'accord, donc là, je pense par contre que j'ai récupéré Mope, il a dû revivre, et j'ai perdu un autre bonhomme, d'accord. Et donc on va refaire deux armures pour les tanks. Je vais également... Ouh, il y a quand même beaucoup de boulot, là. Là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Le problème, c'est qu'il casse pas en deux les blocs. Donc là, c'est un bloc, enfin, une brique complète pour le petit bloc, là. C'est ça qui fait que ça demande énormément de ressources. Je vais attendre un peu, puis après, je vais mettre les planches. Et ensuite, je vais... Je pense peut-être même que je pourrais retirer, vous voyez, la moitié, une planche sur deux. Enfin, une barre sur deux. Mais bon. Ah ouais, là, je vais avoir un beau château, hein. Je vais vraiment avoir un beau château. Est-ce que j'ai plus de pièges? J'ai encore deux pièges. Donc, je vais les poser là, les pièges, parce qu'ils aiment vraiment venir du côté, là. Alors, si vous pouvez juste finir le côté, là, pour que je puisse poser les tourelles rouges, ça m'arrangerait. J'ai combien? J'ai 221 de toit. J'ai déjà plus de fer. Donc si je veux plus de fer, faut aller là-haut. Ce chemin n'a pas d'accès, d'autres accès, donc je pourrais y aller peinard. J'ai sinon du fer là. On va déjà venir là, ça va être plus simple. Tac. Puis après, je vais faire un escalier en colimaçon qui monte là-haut pour le faire. Ah, j'ai entendu des pièges qui ont été posés. Ouais, les pièges ont été posés, parfait. Ouais, on a besoin de métal. Donc là, j'ai trois kits de chevaliers qui sont prêts. Et je crois que, ouais, ils sont en train de me faire le bouclier du suivant. Alors, je vais donner un peu de priorité à la mine. Alors, ouais, non, on va arrêter la mine là, plutôt. Ils doivent aller trop profond, je vais creuser là. Où je vais creuser. Je vais retenter de creuser là. Alors on va retenter, on va voir. Voilà, on ne touche pas à la bordure pour éviter les problèmes. Et en avant. Parce qu'il me faut récolter plus vite de la roche. C'est la roche le gros problème. Côté bois, on est bon. Arrêtez d'en produire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du verre. Eh, là, je pense, allez, on est reparti bien, là. On vient avec le fer. Et il y en a deux qui travaillent là. Alors, je dois mettre un ordre de réparation, là.
Ah, alors là, là tout de suite. Voilà. En faisant ça, je vais pouvoir mettre mes défenses là-haut. Donc 3 minutes avant la vague suivante, on est revenu à 62 fer. Parfait. Ouais. Là, c'est mieux. Hein. Là, ils ont vraiment plus à descendre. Vous voyez, tout en bas. Quand ils commencent à devoir monter, il y a une perte de temps énorme. On peut faire les douves. Ouais. Les douves, ça aide, mais pas pour mon type de gameplay. Et j'en suis pas particulièrement fan. Je sais pas pourquoi on me demande tout le temps d'en faire des douves. Pour moi, les douves, c'est un peu de la triche. Parce que ça bloque trop les ennemis. Je préfère que des douves de un carré. Mais bon, ça gêne mes gars aussi. Vous voyez, qui vont aller chercher les ressources autour. Je suis pas particulièrement fan. Peut-être plus tard dans la partie, mais pas pour le moment. Depuis combien de temps je suis sur YouTube? Depuis longtemps, 3-4 ans, plus 5, je sais plus, 3-4 ans je crois. Ah, alors là, parfait. Parfait. Je vais mettre des choses là. Pour la déco. Alors je sais pas trop quoi mettre, genre ça. Est-ce qu'on met de ça, les gars? Vous voyez? Est-ce qu'on met des trucs comme ça? Est-ce que je mets ça ou pas? Dites-moi si j'en mets. Si j'en mets, je mettrai entre. Sinon, on met pas de ça tout complet. Et je pose juste mes tourelles sur le bord. Ce qui mettrait plus d'espace. Mais bon, à vous de voir. Il faudrait faire des ponts-levis. Oui, effectivement, j'y ai pensé. Mais c'est pas dans les options. Alors, on va arrêter de ramasser de la roche, là. De la roche du fer. Venez aider à la construction. Ah, atteindre les 2000. Alors si on atteint 2000 pouces bleus, c'est le record absolu et je pense pas qu'on va le battre avant très longtemps. Je suis le troisième live du gaming. Alors là, on est retombé à du 1500-1600. Je me demande ce que ça donnait quand on était à 1800 et des poussières. C'est quoi mon record de vues sur les vidéos ou les lives? Sur les vidéos, c'est 400 000, 500 000. Hein. Je crois qu'on approche des 500 000 sur une de ma meilleure vidéo. Alors. Lui s'acharne, je viens de dire. Ah d'accord, je viens de comprendre. Lâche que t'as en main. Ah, la journée se lève, enfin. Quoi ce bruit? Il y a encore un gars qui travaille? Oula! Ils sont différents, non? Qu'est-ce que vous faites? Ah, un mort. Un mort. Zut. On va remettre une autre armure à faire. Ah,
Là c'était pas facile. Wow. D'accord. Là c'était pas évident. Hein. Faut plus de tanks. Il me faut plus de tanks. Ah il y avait lui. D'accord. Donc je veux encore un autre set de tanks. Ah non, il est revenu en vie en fait. D'accord, il est revenu en vie. Alors posez vos armes. Et réparez et reconstruisez. Ils vont le faire, d'accord. Ils vont le faire. Ouh, 2100 pouces bleus, génial. Génial. Alors, donc, j'ai pas trop vu. Je crois que vous m'avez dit que vous vouliez des choses. Là. Je sais pas trop comment m'y prendre. On va essayer comme ça. Si c'est pas bon, on cassera. Et... Donc j'en ai 8, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, bah là ça va être joli là. Là on va vraiment y aller à fond. Alors il m'en faut d'autres. Et pour les autres, il me faut quoi? Il me faut beaucoup de ressources par contre, beaucoup de ça. Et des lingots de fer. Des lingots de fer, on en a. Plus du tout. C'est reparti. Et on a des armures de tank à faire. Et par contre, il me reste plus beaucoup de temps. J'ai peut-être vu un peu gros pour ma construction, je me dis. Je pense que j'ai vu un petit peu trop gros. Ouais, on a dépassé les 2000, c'est juste génial. Alors, quelle tâche je peux libérer un peu pour la construction? À creuser, je dois laisser... Alors, je vais... On est à 1. On est à 1 également. Ah, allez, ça, oui. Alors, est-ce que je peux genre poser... Un là. J'ai pas besoin normalement de les connecter. Alors si je fais ça... Je sais pas s'ils vont les attaquer. Ça pourrait être intéressant de voir. Et je vais... C'est lequel, c'est toi? C'est lequel? Il y a un autre atelier que je n'ai pas construit. Il y en a 5 et là j'en ai 4. Là j'en ai... Alors je regarde. Là il n'y est pas. Pas le jaune. Pas le jaune. Ah oui, il m'en manque un parce qu'en fait il y en a un de plus. Il y a lui. Donc, ah, c'est celui-là, le celui de base, d'accord. Ok, on va te mettre en dessous. Je devrais tous les mettre contre les murailles. Ah, il commence à mettre les défenses là-bas, parfait. Arrête la construction pour le moment, pourquoi? J'ai un mort, alors je vois pas son âme. Ah, regardez, je vois les connexions qui se font. Alors tu choisis à quel endroit, tu le mets où? Tu le mets là, d'accord, connecté. Il n'est pas sur PlayStation 4, il n'est que sur ordinateur.
Je vais peut-être doubler également les portes. Mais ça va devoir attendre que j'ai plus de plaques de métal. Parce que ouais, ils peuvent facilement passer les portes. Hein. Regardez-les travailler dur. Je vais donner un peu de priorité à la construction. Parce qu'on a beaucoup de blocs, vous voyez. Là, donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils lâchent un petit peu la creuse et qu'ils viennent se lancer là. Et je sais pas si je vais pouvoir construire ce que je voulais là pour ma catapulte. Je pense qu'une fois que ce côté-là est fait, je vais pas lancer les autres côtés tout de suite, avec le bois et tout. Je vais faire le centre. Là, pour ce que je veux. Mais on est quand même pas mal, hein, si on regarde. Il reste pas énormément de choses. Donc ça avance, hein. Ouais, le jeu est que sur PC. Je ne compte pas, Claude, d'arrêter la construction, pas de soucis. C'est ma priorité. Hein. Alors, par contre, je voudrais voir côté. On a les 4 armures de tank. Et il y en a une autre, je crois. Ah, il y a 4 armures, mais est-ce qu'il y a 4 épées? Oui, il y a 4 épées. D'accord, il y en a une. Ah, je crois savoir pourquoi il ne continue pas. C'est parce qu'il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi stocker l'épée, en fait. Côté planche. Ouh, côté planche, on est juste. Il y en a quand même. Ah, il y en a quand même là. Donc je vais juste mettre un poste pour les planches. Ah, je suis vraiment trop fier de cette construction, quoi. Oui, quand je dis il est sur PC, PC, Windows, Mac, je sais pas s'il est sur Linux. Normalement, il doit y aller. Je crois que Steam fait la conversion pour le développeur. Ah, alors, vraiment, le point en fait, c'est là. J'aurais. Ouais. Ah, alors, ils arrivent. S'il vous plaît, arrivez du côté là. Venez du côté là, s'il vous plaît. Parce que voilà, quoi. On a Tonton qui est KO. Oula, il y a un gros. Ici. Le gros il est où? Ah il est là. Il est là. Non. Non. Attention au trou. Ouais, mettez-vous là parce qu'il faut qu'il vous propulse vers le bas. Parce que s'il vous propulse vers là-bas. Ah la tourelle m'aide quand même. Ouh. Ah j'adore les animations pour les gars. Non. Non. Alors toi, tu vas au loin, toi aussi. Ouh, il s'est fait avoir lui. Survécu. C'était chaud, hein. C'était chaud, il me faut plus de tank. Vraiment, il me faut plus de tank. Alors, du coup, bah tiens, toi, t'es en train de me faire l'autre pièce de matos.
D'accord. D'accord. Oh là là, on est pas mal. J'ai pas fini de faire de Mars une planète verte dans le live d'hier. On a commencé à faire pousser des plantes, mais apparemment c'est un objectif de très longue durée, donc on n'y est pas encore. Bon, alors, je vais dire d'arrêter de creuser là. Priorité minime. Priorité minime. Et utiliser les blocs que nous avons pour finir rapidement le château là. Et... on est pas mal. Alors, ils ont... Oh ! Ah, les pièges se cassent. J'ai combien ? J'ai que 3 de fer. Je vais devoir leur dire de revenir en ramasser là. Il y a également là. Eh, pas mal, hein ? Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, la dernière loterie pour le jeu est lancée. Donc allez-y, suivez le lien qui est posté par Maïmé. Si vous gagnez, vous recevez un email. Regardez bien vos mails également de spam au cas où. Si jamais, non, on ne sait jamais. Vous pouvez directement récupérer la clé. Les clés sont données par Sauropod Studio, donc le développeur du jeu chat. Alors, je crois que l'on a assez de bois, par contre, maintenant. Ou peut-être pas. Peut-être pas. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Regardons. Il reste le petit coin là. Il reste ces endroits. Et là. Donc, c'est vraiment du... on est pas mal. Corpix, c'est l'idée générale basique, on va dire. Sachant que le jeu là précède largement... The Air Billions en sortie, mais voilà, c'est un jeu de stratégie tower defense dans lequel tu construis ta base, c'est le voilà, mais après visuellement, gameplay et tout, c'est vraiment différent, hein. Donc ouais, c'est basé construction bloc par bloc, vraiment moins sur la quantité d'ennemis également, donc sur ça c'est différent. Et il n'y a pas de palier technologique à faire. Tout est débloqué du début. Le challenge, c'est pas progresser techniquement dans le jeu. C'est vraiment de faire des constructions fonctionnelles. Donc ouais, pensez à vous abonner également si vous aimez le contenu de la chaîne. Hein, je vois que ça ferait très plaisir. Je ne demande jamais de vous abonner parce que bah, vous vous décidez ou pas. Mais je me suis dit, allez, je vais me lancer cette fois-ci. Et ouais, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Hein. Là, on a pété le record largement, donc je suis content. Je vais pas demander plus, mais c'est toujours bien de dépasser les limites. Et bah, le côté là est presque fait. Hein. Côté planche. Donc là, il en reste combien? Il reste 1, 2, 3... 4. Je crois qu'il reste 4 à mettre là, donc j'en ai 3 en plus que je viendrai poser ici. Est-ce que je peux le faire? Alors, je les ai jamais venus venir là. Est-ce qu'ils sont... Ils sont jamais venus de là, hein. Je crois qu'ils sont jamais venus de là, donc on va le mettre là. Ah, en dehors. Ça c'est fait. Ouais, les créneaux font des angles morts, je me dis. Je me dis que c'est le problème. Mais si je place bien mes gars, normalement il devrait pas y avoir d'angle mort. On va voir. On va voir comment ça se passe. Si c'est pas bon, je les retire. Toi, t'es pas connecté par contre. Alors. On va mettre une balise de relais ici. C'est bon, ouais. J'ai 10 gars, j'ai toujours un mort. C'est toujours tonton qui est en attente, on va dire donc. Alors, ils adorent poser les planches. Quand il y a des tâches
planche et tache roche, ils font toujours la planche en premier. Ah bah oui, mais là c'est différent, c'est parce que... On met la priorité, c'est juste qu'il n'y a plus de blocs, d'accord. J'ai arrêté, je leur ai baissé la priorité en pensant que j'en aurais assez pour finir, mais apparemment non. Par contre, toutes les défenses sont mises. Donc là, vous pouvez venir, si vous venez du côté là, vous allez morfler un truc de dingue. Pourquoi il n'y a pas d'autres unités de combat? Bah, il y en a d'autres, hein. Je ne les ai pas toutes faites, mais c'est déjà pas mal. Il y a des archers, il y a des gars avec des lances, il y a un bombardier, il y a également des unités de siège, donc genre une catapulte, mais je ne les ai pas encore faites. Même là peut-être. Tac. Est-ce que tu peux peut-être pas passer là? Allez-y. Ah, là, je vais récupérer du fer, enfin. Je vais récupérer du fer, j'ai plus besoin d'aller à l'autre bout. Alors, est-ce que... Ouais, là, c'est fini, hein. Le stock est fini. Ouh. Donc, ils vont grimper. Et ils vont mettre, les gars... Ça sera un bon emplacement pour les archers, là. Ouais, alors allez vous inscrire sur la loterie, elle est bientôt finie. Tu pourras faire des tourelles guérisseuses. Je pourrais en faire, mais c'est vraiment pas important parce qu'il faut les poser par terre. Ouais, c'est... Donc tiens, regardez, les nouvelles unités. Enfin, ça, c'est des unités peu chères. Donc, ah. Venez tout de suite. Allez vous équiper. Donc le lancier et le tank en version moins bonne, peut-être un peu plus de DPS, l'archer et l'arbalétier trié en version moins bonne également. Je les mets là, mais je suis pas sûr que c'est le bon endroit. Bien. C'est l'autre coup. Ça, j'ai dit. Petit gros mot, j'en ai jamais. Venez là. Oh là là. Catastrophe, ils sont déjà à la porte. Reste derrière. Je sais pas comment m'y prendre là. J'ai pas de mort pour le moment, je pense. Là, je me fais rester dans la zone de soins. Oups. Voilà, là-bas.
Et j'ai récupéré un autre gars, cool. Bon, ouf, je suis content. Alors le début est difficile, mais oh, il y a des gars qui sont rentrés. Ah, d'accord. Ah, ils ont atteint mon cristal. D'accord, bah c'est une leçon pour moi. Trop concentré à un endroit et j'ai ignoré. Ouh, ils ont. Non, on est bon là? Non, on n'est pas bon. Alors. Bon. Bon. Je vais peut-être commencer à préparer l'emplacement pour la catapulte, du coup. Un chef tacticien, je pense pas trop au vu de la bataille que je viens de faire, la mythe. Les bêtises que j'ai fait là. Ouais, c'est douteux. Ah, j'ai plus de fer. Donc 7 minutes pour réparer les deux portes. Ah, j'ai plus de jaune. Voilà, et donc maintenant tout le monde est en vie. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, les nouveaux arrivants vont augmenter mon maximum qui est de 15 ans. Enfin, pour augmenter, pour atteindre les 15. Alors, vas-y, tonton. Ramène-nous. On a 6. Je vais attendre que tu en aies 20 et je vais t'envoyer tout de suite là. Tu vas là-bas. On a besoin et on en a besoin vite. Voilà, c'est bon. Donc on va faire de la production de barres de fer pour... Enfin de lingots. Il m'en faut 6. 5. D'accord. Ouais, il y aura une rediff sur la chaîne. La fin, probablement autour des 18h, je suis pas encore sûr. Un petit peu avant, un petit peu après, en fonction de ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi et tout. Mais là, je tiens d'en faire. Alors. Côté planche. Je vais réactiver lui. J'allais attendre, mais finalement on va les mettre maintenant. Voilà, et du coup, côté cristal. On va diminuer la priorité. Voilà. Donc là, il me reste un bloc, un autre deux, un ou deux là. Et un autre là. Et après, on a fini, on bloque là. C'est génial. C'est vraiment génial. Je pourrais mettre une deuxième porte en fer. Le problème est la quantité de barres de fer que j'ai. J'aimerais bien les doubler, effectivement. Mais ça sera pas tout de suite. On va mettre
un relais là. En avant. Bien, alors je veux quelque chose là-dessus. Maintenant, c'est comment je vais m'y prendre. Je suis naze pour les structures. Comment je fais monter les colonnes ? C'est bizarre ça. Comment je mets quelque chose par-dessus ? J'ai pas d'autres ronds. Alors si je mets ça, je mets quelque chose par-dessus, ça reste carré. Je sais pas comment faire ça. Ah, comme ça, d'accord. Alors maintenant le problème c'est comment les relier aux autres. Oula non. 1, 2, 3, 4. Trop haut. Donc ça c'est fait, mais le problème c'est comment je l'ai... Alors, il me faut que ça soit en roche la chose, donc je sais pas trop. Ouais, là je peux pas les connecter comme ça, c'est ça le problème. Donc, je pense pas que ça va être bon. Je peux pas les faire avec les colonnes. On va le faire après, on va regarder après. Combattre, aller chercher. Je vais faire préemptivement placer les gars comme ça, vous voyez. Comme ça, peu importe du côté où ils arrivent, on a quelqu'un qui les accueille. Et je vais faire alterner. Ah. Comment tu fais du dégât. Maintenant, tu passes en soin. Là on est bien placé. Fui. Non. Perdu bêtement les gars. Trop déçu. Ah je voyais pas bien ses points de vie. Donc je l'ai perdu. Alors j'aurais pas eu vraiment besoin de le perdre. Mais bon, je pense qu'il va revenir en vie rapidement. Avec les âmes que l'on tue là. Donc, je me disais qu'il venait jamais de là, mais là c'est fait au moins. Alors, donc du coup, retourner au boulot. Côté rondin, on n'en a plus beaucoup. Il
Il va peut-être falloir couper quelques arbres. D'accord. J'ai 1, 2, 3, 4 ronds. Ah, il y a un autre. Il y en a un autre qui est probablement coincé. Ah, il est là. Il est coincé ici. Alors lui, s'il veut m'atteindre... Vas-y, creuse, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Alors, oui, couper des arbres. Allez, il reste quelques... Oh, il arrive maintenant, sérieux? D'accord, on va le taper à la main, à l'ancienne. C'est un petit tout naze. Côté ça, on en a assez, donc arrêtez de ramasser. Voilà. Faites les autres tâches. Alors oui, donc on revient là. J'ai 7 minutes pour le mettre en place. Donc... me dit. On va le faire comme ça. Et le dernier. Non. Si, oui, c'est comme ça que ça va faire. Je pense que c'est ça que je dois faire. Et alors maintenant, je vais avoir besoin de toi. Non? Ah, je sais trop pas comment le faire. Ça, c'est pas censé me connecter. Pense à l'escalier, ouais, effectivement. J'essaye de savoir comment faire un toit en roche. Ne mets pas de toit, alors je vais... quand même essayer de mettre... un petit peu. Je pense que là, je peux poser la catapulte déjà. Comme ça. Et il me faut un escalier, il me faut un escalier à l'intérieur. Ah, par contre, à l'intérieur... je te mets là. On va voir. Alors je vais prendre toi. Hi.
Je devrais pouvoir faire plus quand même, hein, mais bon. Et je vais poser ma catapulte là. Une fois que ça va être construit, est-ce qu'on a la roche pour? On a la roche pour, c'est parfait. Ouh! Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas de lumière. J'ai pas de truc de lumière. Oula, alors la quantité de ça que j'ai, c'est incroyable. J'ai pas demandé de me faire... Contre-tire. Trois lampes. Ah si, elles ont été posées, d'accord. Les lampes ont bien été posées, au loin. Et donc maintenant, on va éclairer l'intérieur. Donc là, je devrais mieux voir les arrivants. Alors, c'est trop tard. On est parti, on va le faire. Le milieu, il est lancé. J'en ai besoin. Alors, les rouges. On va faire un max de défense, des tourelles partout. Ensuite, j'ai besoin d'éclairer, donc... Ça devient quelque chose. Alors, allez poser les tourelles au lieu de les mettre dans le stockage. Toit panoramique, ouais. C'est, on va dire que c'est exprès que j'ai mis le trou, hein. C'est pas que j'ai pas trouvé un moyen de le compléter, c'est exprès. Ouais, Yanaël, il y a des mini-freeze dans le jeu, c'est normal. C'est quand on atteint les limites, hein, on progresse. Voilà. Frédéric, si tu me demandes de regarder le chat, en l'écrivant dans le chat, mais que je ne regarde pas le chat, ça n'a pas trop marché. Donc la preuve que je le vois, c'est que je lis le chat. Est-ce que je ferai d'autres lives sur Castle Story? Bah, j'en ai fait 3 en deux semaines. Donc là, je pense qu'on va être bon. Je vais peut-être en refaire un autre plus tard, je sais pas. J'aime bien le jeu, donc ouais, peut-être. Mais pour le moment, là, ça va être bon pour au moins une petite semaine ou deux, minimum. Et après, je verrai. Alors, ah oui, avec l'éclairage, c'est quand même plus joli. Hein. J'aime vraiment la journée dans le jeu sur le désert, mais la nuit... les ennemis arrivent. Donc, aux armes, citoyens. Ils ont commencé à poser les tourelles de défense un petit peu partout. Je vais finir. Oh, regardez. Alors, par contre, là, l'effet de lumière, c'est génial. Kataru. Donc, je redonne l'ordre d'aller s'équiper parce que parfois, ils ne respectent pas. Donc, ah ouais, ils se mettent là, par contre. Alors, toi, là. Voilà. Il est parti où le gars qui était là? C'est moi où il y avait un gars qui a disparu là? Alors au passage il me faut une nouvelle armure. Vu qu'on en a perdu une. Plus d'armes pour personne. Alors vous êtes où? Allez, venez vite. En bas à droite, tu as l'ordre de sécu... Ah, ici. Ah oui, c'est X. Ah, merci, c'est génial. Comme ça, j'ai plus aller là-bas. Merci. C'est Shumaru. Ouais, mettez les pouces bleus. Ah, oula. D'accord. Je laisse un gars sur lui.
Ah, il fait apparaître des gars. Non, je t'ai dit de fuir. Non. Bon, par contre, lui est revenu direct. Tonton. Oh, oh là j'ai fait de la merde. Là j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu deux gars. Je vais avoir besoin. Aïe, je sais pas si l'habitude. Je vais avoir besoin de refaire. Oh là là, j'en ai perdu un parce que j'ai donné l'ordre trop tard de partir, et un parce que je pensais juste pas que le gars allait pouvoir le tuer. D'accord, bon ben ça m'apprendra. Du coup, faites-moi les armures. J'en veux un autre. Ah, il y en a un autre, ça va. Bah là, il peut venir. Hein. S'il vient, il va être accueilli là. C'est quand la prochaine loterie? Les trois loteries ont été faites, donc les trois clés du jeu ont été distribuées. Donc il n'y en aura plus d'autres. Là. Il y a des vagues à l'infini où tu peux gagner un moment. C'est des vagues à l'infini. Là, on en est à la troisième et la quatrième va, la quatorzième va avoir tout ça. Ah, alors lui. Alors, je sais pas si c'est le début de la fin, parce que là, on est à 9. Je pense qu'on va récupérer le dixième assez rapidement. Ça chauffe, ça chauffe. Et lui, il a rien compris. Voilà. Ah, il y en a un autre, là. Sérieux? On est reparti. D'accord. On est bon là, il n'y a plus d'autres, c'est bon. Personne qui est caché. Je devrais mettre un mur là, ouais. Pas besoin de porte. Ici. Un autre de mort. Est-ce que ça va me suffire pour avoir mon dixième? Non. D'accord. J'ai combien d'habits? Un truc de tank. Deux. D'accord. Donc il m'en faut un troisième au minimum. Vas-y, construis-le. D'accord, pourquoi pas. Il y a de la place. Tu peux pas augmenter ta priorité à toi? Ça doit être énervant les freezes à un moment. Bah en fait, quand t'es dans le jeu, c'est vrai que c'est embêtant, mais tu t'y fais quoi. Donc ouais. Principal est que le jeu ne crache pas, franchement. Allez, viens t'occuper de ça. Voilà. C'est reparti. Côté... Ouh là là, côté ça, on en a vraiment un paquet. Mmh.
Et là, il y a toujours un paquet de choses à faire. Il me faut des lingots de fer. Ah ouais. Au moins, lui va être moins embêtant parce qu'il va pas passer là-bas. Ça va être déjà ça. Et s'ils arrivent de là ou de là, je serai plus tranquille. Ouais. Mets les pièges derrière et devant les portes. Bah, le problème, c'est les pièges sont posés. Là, il me faut du fer. Et alors, je suis limité du coup. Alors oui. À toi. Tac. Non. Je vais donner un ordre. Il l'a mis. Tu rajoutes là. Tu vas le mettre le reste là-bas. On va avoir besoin de fer. Ah, j'ai déjà plus de fer. J'ai déjà plus de fer. Vous allez où, vous? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Pourquoi tu fais le tour? C'est quoi cette histoire? D'accord, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, 2 minutes 30, il nous manque un casque. On a 3 épées, maintenant on vient de faire le 3ème bouclier. Et j'ai perdu, non, j'ai pas perdu d'abalétier. Alors là, dans la mine, je vais leur dire d'arrêter de ramener les le soufre. Ramenez-moi du fer et ramenez-moi le... Voilà. Hein. Alors là-haut, j'aimerais bien y aller. Donc, on va leur faire... On va faire un escalier. Est-ce que je peux pas... Je voudrais juste essayer. Non, je peux pas. Voilà, parce que là, il n'y a pas d'accès ailleurs et je vais venir chercher du fer là-bas. On va en avoir besoin. Et une fois que là, c'est fait, je vais mettre la catapulte. Ouais, plus beaucoup de temps à la prochaine vague. Fais gaffe, les ennemis peuvent également... Ah oui, les ennemis peuvent également passer, c'est vrai. C'est vrai, bah oui. Pas bête, ça. J'y ai juste pas pensé, moi. Comme ça. Je sais pas s'ils vont le mettre à temps. Il reste pas. Ils vont pas le mettre à temps, donc je vais devoir faire la vague là. Comme cela. Et alors. 3, 3, 4. D'accord. Donc il va me manquer un bouclier pour un 4ème gamme. Mais de toute façon, je peux pas avoir assez. Donc tout le monde. Bon, s'il vous plaît, venez pas de là. Mais que 3 tanks, ça va m'inquiéter. Donc toi, tu vas tout de suite passer en mode soin. Je peux creuser plus profond, mais plus on va profond, plus ils mettent du temps à remonter, et donc moins c'est efficace. Donc c'est pas une bonne idée de faire des trous trop profonds. Il vaut mieux faire, même hein, moi si je pourrais, je creuserais 3-4 et je passerai à un autre endroit si ça me bloquait pas. Alors... Donc là, bientôt, je vais pouvoir faire la catapulte, là. Hein. Bientôt pouvoir la faire. D'ailleurs, je vais leur faire creuser, là. Je vais leur faire creuser, là. On va arrêter de creuser, là-bas. Attention. Approchez-vous, mettez-vous là.
Non, toi. Va-t'en, oula. C'est bon, va-t'en. Rentre, rentre, voilà, t'es rentré. Non, toi, va-t'en. Ou le freeze, gros freeze. Non, qu'est-ce que vous faites, les gars? Ça, c'est un problème, ça. Là, oula. Il est coincé. Allez, élimine-le. Oh, la vache. Lui, il a été propulsé tellement vite qu'il a traversé le mur. Ouh, d'accord. On est revenu à 10 bonhommes. On est revenu à 10 bonhommes, c'est parfait. Vous avez vu le gars comment il s'est fait propulser? Enlève les blocs, ça fait des angles morts. Alors, je sais pas si c'est les blocs qui l'empêchent d'attaquer en bas. Mais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous attendez là, les gars? Pourquoi vous ne faites... Vous n'avez rien à faire? Ah oui, c'est parce que j'aurais pas donné un nouvel endroit au creuset. Du coup... Ah ouais, mais non, mais là, je veux mettre... Là, je voulais mettre une tourelle. J'ai pas trop de poser. Voilà, retournez-y, ici, je veux, c'est de tout, c'est parfait. Ah, la journée revient. Mets des défenses sur tes tours d'angle. Ouais, je pense que je vais en mettre là. Je veux également mettre là-bas la catapulte déjà. Puis je vais mettre une autre tourelle là, en fait. Et je vais mettre un petit pont. D'ailleurs, on va commencer à la construire. Ou peut-être je vais les laisser finir ça. Je vais peut-être les laisser finir ça d'abord. Alors, j'ai combien de trucs de tank? J'en ai 1, 2, 3. Il me manque un casque. Ah, ici. Donc, va falloir venir. Alors, peut-être je vais diminuer la priorité. Ouais. On passe en priorité 1 pour qu'il puisse faire le reste. Parce que j'aimerais bien avoir un quatrième tank. Là, c'est fait. Voilà, là, il devrait plus pouvoir passer. Méga et les ennemis. Alors, à moins de casser le bloc, mais bon. Bah, mets ta catapulte. Bah, je peux pas mettre la catapulte. Je le fais pas parce que je peux pas mettre la catapulte tant que le toit est pas terminé. Logique. Mon entrepôt n'existe plus. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et qu'est-ce que vous faites? Là, je crois qu'ils ont du mal à la construire, par contre. Voilà. Ah, peut-être parce que là... je vais devoir faire un truc temporaire.
On va devoir faire ça. Et je vais avoir besoin de rondins. Tu n'as plus de métal. C'est du verre, effectivement. Métal. Ah, là où c'est bon? Priorité élevée, allez-y. Voilà, on chope les rondins. Donc revenez avec beaucoup de métal. Ah, ils peuvent construire à 3 de haut, c'est vrai, oui, ça a changé. Là, je les ai mis, effectivement, bon conseil. Je les ai mis par rapport à l'ancien, oui, que je faisais avant. Voilà, comme ça, ils vont pouvoir le mettre. Finalement, j'avais même pas vraiment besoin de cela, je pense, mais bon... Là où, alors on en est où pour la récolte de fer? Ils peuvent y aller sans problème. Revenez avec un max de ressources. Aucun espace de stockage va rentrer. Hein. Planches, je vais en avoir besoin encore. Le fer, ça revient. On en refait, c'est génial. Prends ça. J'en suis à 60 de fer, je vais avoir besoin de plus de barres également pour terminer les défenses là-haut. Donc je vais remettre l'ordre en niveau standard. Allez-y, finissez-moi ça, je veux faire ma catapulte et je veux après faire ma tourelle là-bas. Ah, les gars arrivent, alors. D'ailleurs. Si je veux faire... Problème, ah oui, c'est la porte là, comme ça. Ouais, il faudra que je vois plus tard ça. Du coup. Tant qu'à l'extérieur. Les archers en haut. Toi là-bas. Tu fais quoi, toi? T'as pas de... Alors, d'où allez-vous arriver? Ah, de là. Ah, tu vas où, toi? Il veut aller là-bas à chaque fois. Il le veut là-bas. Il veut aller ici. Qu'est-ce qu'il a avec la porte là? Je comprends pas.
Ah, oh, j'ai perdu un autre bonhomme là. Oh, et lui? J'ai perdu un autre gars quoi. Non! Il lui a tiré dans le dos! Il faut que je boucle là. Je vais devoir boucher là. C'est à cause de lui que je perds... Ah non! C'est à cause de lui que je perds tout le temps trop de choses. Parce qu'à chaque fois, je dois détourner mon attention des autres endroits et donc je perds des gens. Ah, cet endroit maudit. Bon. Ah, je suis trop... Trop deg, là. Alors. On sent que c'est la fin, là. Tac. Mais je comprends pas ce que ce gars-là a avec l'autre porte. Parce que c'est systématique. Alors, je dois en mettre un deuxième. En avant. Ah oui, oublié de d'annuler. Alors, j'ai perdu un soigneur. J'ai perdu du tank. On est reparti. Moi j'en ai déjà récupéré un, mais on en a trois de morts. Non, même pas, j'en ai même pas récupéré un pour le moment. Vous allez arrêter un peu. Je crois qu'on est bon en planche. Ou pas, j'ai rien dit. On n'a plus beaucoup de planches. Et là on a vraiment du mal à le construire. Ils veulent vraiment pas le finir, alors je vais... Quand même donner l'ordre de faire la catapulte, ça doit être jouable quand même. Ouais. Oula, freeze. Voilà, on va te mettre... Ouh. Je sais pas si mes gars vont pouvoir passer. On va te mettre là. On va mettre un stockage là et en avant, comme ça elle va démarrer. Toujours besoin de fer, donc je les laisse là-haut. Alors là on va faire la tourelle. Je vais en faire une, pas trop grande. Très bien. Comment je vais faire?
grâce à toi. Ensuite, on fait un escalier à l'intérieur. Et là, on va mettre toi. Alors la question que je veux voir, c'est est-ce que je peux mettre... Je peux peut-être mettre là, mais là-haut, ça va être problématique, donc il faudrait peut-être la faire plus haute. Il est fonctionnel hein. Je sais pas s'il est fonctionnel que je peux rentrer. Alors je vais devoir péter le colimaçon parce que je suis pas sûr. Alors tac, excusez-moi, je regarde pas le chat, mais non, c'est bon, il était bon, il était parfait. Oh bah je suis surpris. Voilà, et donc là là-bas, je sais pas trop. Ah, je peux pas. Est-ce que c'est à cause de l'arbre? Donc, faudra essayer. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire là? On va baisser d'une case. Voilà. Ah, ici, ça devient bon également. Oh là là! Regardez ce boulot d'orfèvre qu'il faut faire. Enlève la porte, il y en a deux. Comment ça, il y en a deux? Oh. Ah, c'est intéressant, ça. D'accord. Alors ici. Toujours pas fini, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous finissiez cet endroit? Je crois qu'ils veulent pas, hein. Vous avez vu, ils ont arrêté de travailler là, ils vont là-bas. Ils doivent être allergiques à ce qu'il y a là. J'ai pas fait de plateforme encore, oui, effectivement, au haut de la tour. On va faire ça. Même si ça a un peu de... Aux armes, vite! Vite, vite aux armes! Ah! Zut, de l'autre côté! Ils vont faire le tour complet. Ah.
Allez, venez. Oh là là, il y a de plus en plus de freeze. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent de là quand même. Oh là là, regardez, là j'ai des freeze tout le temps. Oh là là. Ouais, là on est à la fin, les gars. Oh là là, regardez, ça freeze. Oh. Ouh là là. Cours, cours. Oh. Ah non, non. Ça devient chaud là, ça devient vraiment chaud. Alors on a des choses à réparer ici. On verra ça après. Alors, vous en êtes où, les gars? Faut quand même remettre une porte. La porte se répare pas, hein. Donc ma forteresse qui devait être impénétrable ne l'est pas tellement en fait. Tac. Et tac. Voilà, donc par contre je vais m'arrêter là parce que ça fait 3 heures et les poussières que l'on tourne. Je peux pas plus parce que j'ai des choses prévues après. Je sais pas si je vais revenir parce que le jeu est vraiment à la limite. Je vais peut-être faire un live juste en début sur Castle Story et on passera peut-être sur un autre jeu histoire de finir la partie là et de bien me faire détruire et de comprendre ce qui se passe avec cet endroit là. Pourquoi ils veulent pas finir ici? Je ne sais pas trop. Mais ouais, je suis quand même assez content de ce que j'ai fait. Il y a encore du potentiel d'expansion. J'aimerais bien terminer la tourelle là, peut-être mettre des archers en haut ou alors peut-être
transférer les tourelles d'attaque là-bas. En tout cas, vraiment merci de m'avoir rejoint parce qu'on a pété absolument tous les records de la chaîne dans cette vidéo. Le nombre, je pense, de pouces bleus. Je sais pas combien on en est, mais je crois qu'on est assez haut. Le nombre de gens qui regardent en concurrent en même temps. Donc ça également, ça a été pété. C'est génial. Donc on n'est pas passé premier YouTube en France en gaming. Comme ça a été la semaine précédente. Mais on a peut-être frôlé lorsqu'on était à 1800-1850 en même temps sur le live. Donc si vous avez des questions, allez-y. Je vais essayer de répondre à ce que je peux. Je vais par contre bientôt mettre pause parce que bah, même maintenant... Tu peux mettre pause quelque part en fait. Voilà, on va mettre pause comme ça. Parfait. 2400 pouces bleus. Ah ouais, d'accord. Ok, je m'attendais à être à 1900. 2400, bah, la folie. Bah vraiment, merci à vous. Vous êtes géniaux. Hein. Vous êtes vraiment cool. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à tous vos commentaires parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Mais vous êtes géniaux. Vous mettez des pouces bleus. Vous participez. C'est juste excellent. Et pour la grande, grande majorité, hein, vous participez de façon intéressante hein, au chat. Hein. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu lâchés. mais les autres étaient géniaux. Sur quelle plateforme est ce jeu? Bah, il est sur Steam uniquement. 2500 maintenant, bah génial. Pourquoi tu as mis plusieurs portes de chaque côté? Parce que si je mets pas plusieurs portes, mes gars doivent tourner autour pour les ressources. Si jamais les gars ils attaquent du côté là, envoyer les tanks veut dire sortir de la porte là, contourner et revenir. C'était pour l'accès. Le nombre de cartes sur le jeu. Alors bah tiens, on va regarder rapidement, il y en a pas mal hein, de cartes. Alors on va déjà sauvegarder. Il y a beaucoup de cartes. Live 2. Il y a beaucoup de cartes et vous pouvez les télécharger également sur le Steam Workshop. Donc là, c'est bon, t'as sauvegardé. Non, t'as pas encore sauvegardé. C'est sauvegardé. Ouais, vraiment merci aux modérateurs hein, qui font un boulot d'enfer à modérer ces lives. Alors... Vous avez le mode construction libre, invasion, conquête. Voici les cartes faites par le développeur. Vous pouvez en créer vous-même et aller sur le Steam Workshop. Je crois qu'il y a peut-être d'autres pour le mode conquête. Oula, excusez-moi, j'ai coupé le micro et j'ai éternué. En conquête, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a d'autres maps, comme vous pouvez le voir. Il y en a certaines en commune, il y en a d'autres. Donc il y en a pas mal. Hein. Et il y en a une spéciale qui est... Alors, je me rappelle plus c'est laquelle. Peut-être. Dans l'invasion? Non. Ah ouais, là on les voit toutes. Ah, je me rappelle plus c'est laquelle. Il y a une map dans laquelle il y a les noms de tous les backers Kickstarter sont dans le sol et que l'on peut creuser. Normalement, il y a mon nom dedans, mais on le voit pas. Donc voilà. Pas de date pour la FAQ? Quelle FAQ? Je veux dire que j'en fasse une nouvelle. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis longtemps, mais là, j'en ai pas pour le moment. Madame Phil ne dit rien que tu passes tes dimanches à geeker. Bah, elle travaille parfois les dimanches, donc elle est infirmière. Donc voilà. Mais après, la soirée ou le matin, on passe le temps ensemble. Donc voilà, bah, je pense que c'est bon. Merci à vous de m'avoir rejoint. On s'est bien amusé, j'ai fait des bêtises, mais je pense que j'ai fait des trucs pas mal. Et donc je vous dis à bientôt. Pensez à venir sur le Discord. Hein. Venez sur le Discord, le lien est dans la description. On va peut-être vous le mettre dans le chat. Si vous voulez, passer également sur le Utip ou alors juste abonnez-vous pour vraiment donner un gros coup d'aide à la chaîne. Donc merci à vous et à bientôt. Bye bye.